Goedemiddag en welkom bij speeldag 7 van 9 in het reguliere seizoen van de Proximus ePro League. Dus 3 uitzendingen nog te gaan, 9 punten in totaal maximaal te pakken. Het belooft bijzonder spannend te worden die laatste speeldagen. Les derniers jours vont vraiment être passionnants parce qu'il reste plus beaucoup de journées, très peu de points à prendre et chaque point et chaque match sera vraiment très important. J'imagine que des équipes comme le Standard ou encore Anderlecht vont se sentir vraiment très concernés par rapport à ces journées qui vont arriver. Ja, belangrijk om te weten, Westerlo en Cercle Brugge die zijn we al kwijt. Die kunnen de play-offs niet meer halen. Er zijn ook in elke groep al 3 ploegen die al 6 wedstrijden hebben gespeeld. En dus nog maar 2 wedstrijden op het programma hebben. We gaan er eens door met groep 1. Oui, dans le groupe 1, Genk qui est premier avec 13 points, suivi de Gand 12 points, Malines 10 points à égalité avec le club de Bruges. Et il faut savoir qu'il y a un match au sommet là pour l'entrée, pour la préservation, voire de ce qualification au play-off entre le club de Bruges et le Standard qui va arriver juste après. Et de l'autre côté, ben, on peut déjà dire que le Cercle de Bruges, pour l'instant, en tout cas, ben, la saison est terminée, je pense. Ja, het seizoen is daar eigenlijk al gedaan. Dat betekent oefenen naar volgend seizoen toe. In groep 2 dan Antwerp en Charleroi samen aan kop. Kijk wel, Antwerp 1 wedstrijd minder gespeeld. Gevolgd door Leuven en Union in die top 4. En dan toch een beetje opvallend. Zulte Waregem een sterkhouder de laatste jaren. En ook Kortrijk momenteel uit de boot. Seguin, Oostende, die maken plaats 7 en 8 vol. En ook Westerlo zijn we dus al kwijt. Maar zoals je het al aangaf, we beginnen vandaag met een absolute klepper. Standaard neemt het vandaag op tegen Club Brugge om mee te beginnen. En dan gaan we ook nog eens door de volgende wedstrijden. Mechelen tegen Genk, dat is ook een heel mooie partij. Sint-Truiden-Eupen. En dan in groep 2, dus de klepper vandaag. Antwerp tegen Charleroi. En dan gaan we verder naar de volgende wedstrijden. Entre Anderlecht et le Cercle de Bruges, où Zakaria aura peut-être l'opportunité de prendre ces 3 points-là. Westerlo contre l'Union, Oostende contre Courtrai. Courtrai qui est dans une phase un petit peu difficile cette saison-ci. On le sent que Mans n'est pas trop habitué à cette nouvelle opus de FIFA 23. Et pour terminer, Seraing contre Zulte Waregem, où on voit un bon Zulte Waregem, mais qui malheureusement n'arrive pas à gagner et à préserver le résultat lorsqu'il mène au score en tout cas. Klopt inderdaad, we hebben dus heel wat mooie wedstrijden op het blad staan vandaag. Te beginnen dus met een absolute klepper tussen Standaar en Club Brugge. En dat wordt er vooral voor Shadow een heel erg belangrijk. Want nu verliezen tegen Club Brugge, dan wordt het gat al een beetje groter opnieuw. Exactement. Quentin Van de Wattin n'a pas trop le choix de faire de mauvais pas. Il doit plutôt essayer de prendre un maximum de points, mais il a un adversaire vraiment coriace, un Rudy Ekman, qui est là lui aussi pour préserver sa place dans les playoffs. On le sent aussi, hein, il n'est pas au top de sa forme pour l'instant, alors qu'il avait très bien commencé sa saison, tant au niveau international, mais en tout cas au niveau national, c'est un petit peu plus difficile. Peut-être qu'il apprend un petit peu plus à la légère. Et là, en plus, on le voit à l'écran, il est de retour dans la gaming room du club de Bruges. Peut-être que ça va le booster à faire de meilleures prestations. Ja, en we weten in principe van Rudy Ekman, als het puntje bij het paaltje komt, dat hij wel zal presteren. Maar Quentin Van de Wattin, moeilijk aan het seizoen begonnen, 0 op 6 en sindsdien ook alles gewonnen. Dus hij zit wel in een hele goede vorm en een Shadow in een goede vorm, ja, daar wil je eigenlijk niet tegen uitkomen. Exactement. Shadow, lorsqu'il est dans une très bonne forme, il peut vraiment être très dangereux. C'est parmi l'un des meilleurs finisseurs en tout cas de notre championnat. Lorsqu'il a l'opportunité de marquer un but, en général, il rate très peu. Tandis que de l'autre côté, Rudy Ekman, c'est le joueur qui est un petit peu plus complet cette saison. Je le suis un petit peu au niveau international, tant en e-Champions League que dans les FGS ou encore avec les e-Devils. Il fait vraiment de très bonnes prestations, mais en e-Pro League, peut-être qu'il a un petit peu plus de pression parce qu'il se dit qu'il a un petit peu trop facile. Et quand tu prends les rencontres à la légère, ben, tu te fais punir par la suite. Ja, belangrijk om te weten ook. Bij winst komt Club Brugge op de tweede plek. Sowieso, want Gent speelt vandaag niet en dan hebben ze evenveel wedstrijden gespeeld. Standaard kan ook bij winst naar die tweede plek komen, gedeeld dan wel met Gent. Dus heel belangrijk en we zijn er in ieder geval al aan begonnen met het balbezit voor Standaard de Liège. En meteen de pauzeknop bij Club Brugge. La pause qui est déjà demandée par le club de Bruges. Je pense qu'il va faire un petit changement. Il a pour habitude de faire un petit peu ses changements en début de match. Lorsque il veut mettre en place un Kyle Larin ou encore un Tejan Buchanan. Il a essayé beaucoup de choses dans sa formation, Rudy Ekman. Et là, contre le Standard, je pense qu'il doit faire les meilleurs choix parce qu'il joue face à un joueur qui lui a pour habitude de commencer vraiment très fort ses rencontres. Et donc, du coup, il doit prendre la rencontre à son
À son pied, hein, tout simplement. À son pied, inderdaad. Serieus nemen deze wedstrijd. Ronaldinho meteen met een beetje ruimte. En het is zoals je zei, Rudy Ekman durft al eens met Kyle Larin te spelen of Tejan Buchanan. Een van de weinige spelers in deze competitie die effectief een speler van de club gebruikt en daar doelpunten mee maakt. Ja, c'est vrai. Le club de Bruges est l'un des seuls clubs cette saison à utiliser ces joueurs locaux, j'ai envie de dire. Hein. Ces joueurs qui sont passés par le club de Bruges. Parce que, attention, peut-être avec l'occasion ici de Ronaldo, la frappe de Ronaldo! L'ouverture du score pour le club de Bruges dans ce topper de cette 7e journée de notre championnat. Magnifique Rudy Ekman qui marque sous sa première occasion. Et en plus de cela, ben, il a pris l'avantage psychologique également. Ja, inderdaad, het psychologische overwicht nu genomen. Heel snel al het doelpunt, alvorens hij zijn veranderingen kon doen. Heel goede start van Rudy Ekman en daarmee dus virtueel op een tweede plek. Gedeeld met KRC Genk, wel een wedstrijdje dus meer gespeeld. Genk komt straks nog aan de bak tegen Mechelen. En dat is ook nog zo'n hele belangrijke. Maar kijk nu al eens naar de blik van Shadow. Ah, ouais, ouais, non, il est, bah, tout simplement, il est surpris, hein. Il est surpris. Qu'il puisse marquer dès sa première occasion là. Et en plus, dans sa formation, le Standard de Liège évolue avec 5 défenseurs. Il se disait que normalement, défensivement, ça allait être un petit peu plus rigide. Et là, malheureusement, première occasion de R9, il phénomène Ronaldo, et ça finit au fond. Ja, en dat is toch wel belangrijk om naar te kijken hoor. Want terugkomen tegen Rudy Ekman is niet iedereen gegeven. Maar vooral belangrijk bij dat doelpunt kreeg Ronaldo heel erg veel tijd. Er was een beetje twijfel, maar nu aan de andere kant geweldig. De keeper bewogen van Rudy Ekman. Hij twijfelt niet. Hij plaatst zijn keeper wel op de juiste plek. En weerhoudt de Shadow van de snelle gelijkmaker. En we zijn alweer aan de andere kant met Ronaldinho. De balrol heeft de bal nog altijd. Dat heb je met Icons natuurlijk. Ja, ja. Et c'est parti, attention, de nouveau Attal qui essaie de rentrer en force. Il arrive à voir l'avantage qui avait été sifflé et repris par le Standard de Liège. Et le show courtois qui commence déjà, et on parlait de justement d'avantage psychologique. Attention à ne pas tomber, mais peut-être avec Ronaldo l'occasion ici pour le Standard de Liège. Mais le mauvais contrôle de Ronaldo R9 qui permet au club de Bruges de maintenir le résultat à zéro. Ja, je kan het een slechte controle noemen of je kan het goed verdedigen van Meunier op R9 noemen, laat het ons zo zeggen. On peut jamais savoir. Opnieuw bij Standaard, wat een heerlijke pot FIFA tot nu toe. 20 minuten ver. Veel slordigheden, maar ook veel kansen vooralsnog. Gullit. Die staat er niet bij iedereen in. Ouais, c'est vrai. C'est un choix hein, de voir Gullit. En général, stevige tackle. Ils choisissent plus d'avoir des joueurs offensifs, hein, que ce soit Ronaldinho, Pelé ou Ronaldo. Et là, du côté du Standard, on choisit Gullit. C'est peut-être pour son apport offensif et surtout son jeu de tête. Et on sait que le Standard de Liège aime beaucoup les centres. Peut-être avec ici un centre qui va arriver. Non, belle défense de Ivan Perisic qui vient de faire son entrée d'ailleurs à la pause demandée en tout début de match. Wel het initiatief voor Standaard, voornamelijk sinds dat doelpunt. Ronaldo, goed uitgespeeld. De Ketelaar, de gelijkmaker. Zo snel kan het gaan. Derde keer, goede keer voor Shadow. En deze was misschien nog net iets moeilijker dan de vorige twee. Et c'est ça le mental de Shadow. C'est ce qu'on aime voir chez Quentin Van de Wattin. C'est qu'il sait réagir très vite. Et surtout, lorsqu'il a une occasion, il arrive à la mettre au fond. Il a vraiment cet instinct de finisseur, hein. On le connaît bien pour ça, Quentin. Et c'est que pour notre plaisir et surtout pour le spectacle. Un but partout entre le Standard et le club de Bruges. 26e minute de jeu. Touré, opnieuw Club Brugge nu. Ruimte bij de Bruin, niet gezien. Attal, even inhouden, balverlies. En dan kan het snel gaan, dat weet je bij Shadow. Tiki terug, ja, dat is geen goeie. En dan zijn we opnieuw aan de andere kant. Wat gaat het ongelooflijk snel hier. Oh là là, il y a beaucoup de pertes de balles hein, dans le milieu de terrain là. Beaucoup de passes qui sont interceptées par les joueurs des différents camps. Ah, peut-être la contre-attaque ici là du côté du Standard de Liège. Gullit qui va faire une passe. Non, malheureusement qui a essayé de chercher son latéral et ça a été intercepté par le joueur du club. Getelefoneerd zoals we zeggen in het Nederlands. Attal nu aan de andere kant. We krijgen geen tijd om te ademen. Player locken. De bal gaat naar Ronaldinho. Oh, lolo. Deze had er altijd in gemoeten. Ah, c'était bien joué ça. C'était ingénieux de la part de Rudy Ekman de tenter ce player lock suivi d'une passe encore pour faire la différence. Et malheureusement, c'est pas passé. C'est
contré par le gardien. Was die paas nog nodig? Had hij niet gewoon beter getrapt met Ronaldinho? Vraag ik mezelf dan af. Ja, en général, ben, les joueurs essayent de toujours d'assurer au maximum hein, pour éviter un bloc de, du joueur adverse ou bien un arrêt du gardien. Wow, goed verdedigd van Capdeville. Ben, Standard. Et c'est pour ça qu'ils font en général cette passe. Hein. Mais oui, c'était bien défendu du côté du Standard. We zijn alweer aan de andere kant. De ketelaren laat zich de kaas van tussen het brood eten door Koulibaly. Opnieuw bal bij Club Brugge. Wie kan dit 90 minuten volhouden, dit tempo? Goeie paas op de ketelaar, maar Courtois is bij de les. Ja, Courtois, souvent au bon endroit. Hein. À faire la différence sur ses arrêts, sur la ligne. Et son élongation, tellement il est grand, notre gardien national, qu'il arrive à faire à chaque fois la différence. Met iets minder concurrentie nu bij de nationale ploeg sinds het afscheid van Simon Mignolet. Nee. Maar ik denk dat er sowieso al niet echt veel getwijfeld werd over Courtois bij Ronaldo nu. Maar in general, in België, on produit de très bons gardiens. Il reste encore Koen Castells. Et Martin van de Voort, hein, qui arrive à mon avis, qui l'année prochaine sera au Rasenball Sport Leipzig. Ze komen allemaal uit Limburg. Ouais, et en plus de ça, ils viennent souvent du Limbourg. Er zit daar wat in het water in Limburg. C'est vrai, ça, Simon Mignolet vient aussi de Saint-Tron. Saint-Tron. Sint-Truiden, inderdaad. Want de andere drie zijn via Genk gekomen. Opletten, Ronaldo! En de goal, nee! Wow. Geen doelpunt, vlak voor rust. Een beetje geluk daar voor Rudy Ekman, maar opnieuw. Goede keeper movement met Thibaut Courtois. Dat is geen goede bal. En we gaan rusten met een 1-1 gelijkspel. Momenteel virtueel Club Brugge op de derde plaats. Standaard met een puntje. Gelijke vierde plek met KV Mechelen. KV Mechelen wel natuurlijk nog de nabeurt straks tegen Genk. Ja, en daar ben ik wel benieuwd naar. Want Mechelen een pak slaag gegeven aan Gent vorige week. Wat hij tegen Genk kan doen. Ah, ça on va voir. Hein. On connaît les qualités de Kianou Newa. C'est un joueur qui est très calme et qui ne fait qu'évoluer de saison en saison, match par match. Il a cette capacité à pouvoir imposer son jeu. Est-ce qu'il va réussir à le faire face à un joueur comme celui de Genk, notre champion national Gilles Bernard, à voir. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est difficile de savoir qui va gagner ce match. Hein. Ronaldo, het Standard, die vijfmansdefensie doet hem wel goed. En legt hem geen windeieren, onze Shadow. Openen nu. Ah, centraal naar Ronaldinho was een optie geweest. Capdeville moet verdedigen op Buchanan die buitenspel stond. Ah, centraal lag het open. Ja. Et Touré. Et Touré qui joue en tant que troisième défenseur central du côté du Standard. Pour essayer d'apporter cette capacité à se projeter un petit peu offensivement que les autres n'ont pas. Dit soort dingen, hè. Het verdelen van die bal over het veld. Een beetje de rol van Busquets bij Barcelona. Exacto. Bij momenten. Paredes deed dat heel goed bij PSG. Ook twee seizoenen geleden. Casemiro aussi, qui le faisait aussi au Real Madrid. Attention, changement d'aile ici pour Ronaldinho, qui perd son duel face à Kalidou Koulibaly. C'est pas facile hein, de bouger le géant sénégalais. La contre-attaque, non. Bien intercepté par Yaya Touré. Ja, goed gezien, Buchanan heeft wat moeite met die bal. Is niet al te vlot in de dribbel. Op FIFA 23. Heel veel slordigheden. Beaucoup de déchets là dans le milieu de terrain encore une fois. Les joueurs on sent que la pression monte de plus en plus et qu'ils essayent de jouer avec un petit peu trop de précipitation et donc du coup ça provoque beaucoup de pertes de balles et les actions sont cassées hein. Bij beide spelers inderdaad. Ouais. Niemand die echt lang in balbezit rustig blijft. Vaak na drie, vier passes bal alweer kwijt, zoals we hier zagen. Dit was ook niet geweldig van Buchanan. Perisic dan, Buchanan de diepte in. En dan loopt hij er te lang mee. Nee. Ja. Bien défendu ça par le Standard. Ronaldo. Ouais. Ja, dat is opnieuw de foute beslissing. De flank die lag open. C'est vraiment asymptomatique de cette rencontre. Hein. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de pertes de balles. On sent que la pression augmente de plus en plus et que les joueurs, attention, le centre ici, extérieur du pied, sur Ronaldinho, la tête et corner pour le club de Bruges après cette trivella tentée, enfin ce centre trivella de la part d'Ivan Perisic. C'était bien jeu pour trouver Ronaldinho au second poteau. Ja, en dit is wat ik bedoelde met wie houdt dit 90 minuten vol.
De duimen die gaan dat wel kunnen, maar het gaat hier puur over het mentale. Wie kan zo snel, zo lang geconcentreerd blijven en zo snel blijven denken? Ja. Dat is het vooral. De snelheid van uitvoering koppelen aan wat je hoofd wil. Dat 90 minuten volhouden, dat lijkt me niet gemakkelijk. Want Rudy Ekman toch ook al even in de ogen aan het wrijven. Het zal misschien wel de meest vermoeiende partij zijn van dit seizoen. Tot nu toe ook voor ons, denk ik. Ja, bien sûr. Et c'est là que moi je trouve que Gilles Bernard est vraiment très fort dans ce genre de circonstances, c'est que lui il arrive à gérer son mental et surtout il fait face à la pression, donc il l'affronte et en plus de ça il est bon, donc yeah. C'est ça la différence. Attention, peut-être à l'occasion de Ronaldinho, la frappe, le pénal, de nouveau Ronaldinho, non. Le standaard qui empêche le club de Bruges de prendre l'avantage. Goed gegokt hier wel van Shadow dat hij voor de korte hoek zou gaan. Het is nog niet gedaan, opletten nu. Goede combinatie, Ronaldinho. En opnieuw die korte hoek, goed afgesloten. Le club de Bruges qui pousse. Mais malheureusement tombe sur un très bon Courtois. La frappe lourde, oh, c'est bien tenté de la part de Ronaldo. Mais encore une fois, le chaud Courtois qui fait la différence en bloquant ce tir en étant au bon endroit. Ja, Sørloth eronder. Het is opgekomen, Ronaldo net niet bereikt. Jongens, wat gaat dit snel vooruit. En het is zoals je zei, ja, Gilles Bernard kan heel goed het tempo zelf bepalen. Zij gaan gewoon mee in elkaars zottigheid, om het zo te zeggen, in dat tempo. En dat blijft gewoon doorgaan. Le tempo qui augmente. Hein. Le débit de cette rencontre qui augmente de plus en plus. Les occasions. Goed verdedigd. On sait à pleuvoir. Hein. On voit que tant du côté du Standard que du club de Bruges, ça pousse. Qui va réussir à prendre l'avantage? En tout cas, pour l'instant, c'est dur de le deviner. Mais les joueurs sont là. Buitenspel lijkt me, inderdaad. Doorsteekpaas van Sørloth kwam niet door. Atal, dit is beter. Even wat de rust bewaren. Kijken naar de open ruimte. Atal, terug op de Bruyne. De Bruyne Touré. Enkel Buchanan nog daar in het middenveld. Ronaldo. En dan wilde hij even skillen. Maar het was niet al te geweldig. Ah, c'était bien essayé, mais c'est dur hein, quand tu as face à toi Koulibaly, Capdevila, Yaya Touré. C'est très difficile de passer dans l'axe comme ça. Oh, wat is het moeilijk om hier te spelen. Het is interessant. Oh, Buchanan. Ah, c'est dommage. C'est bien essayé en tout cas. Hein. Il essaie de construire en faisant des petites actions escaliers, comme on dit, hein, partir de côté. Mais attention, peut-être d'abord la contre-attaque ici avec le Standard de Liège sur Ruud Gullit qui décale sur Sørloth. Charles de Ketelaar qui écarte sur Ivan Perisic. Ivan Perisic, le centre qui arrive sur Ruud Gullit. Non, c'est mal calibré. Of hij had gezien dat Courtois van zijn lijn was gekomen. Larin. Toch bijzonder dat hij daarmee speelt. Want hij is niet al te goed aan de bal. Oh, que c'est bien joué. Il l'a pris dans son propre jeu, c'est-à-dire les centres sur le deuxième poteau. Dejan Buchanan qui était tout seul et qui fait la célébration de Gabriel Jesus à l'Omaï. Het verhaal erachter zal anders zijn dan bij Jesus, want dat ging over een meisje dat hem niet wilde terugbellen, maar pas belde als hij geld verdiende. Maar het is wel een van die Club Brugge-spelers dat hier het verschil maakt. En ik zei het, ja, Larin en ook Buchanan aan de bal niet al te vlot, maar zij maken wel opnieuw het verschil. 1-2 in het voordeel van Club Brugge. Dat brengt hem opnieuw naar die tweede plaats met 13 punten. Gelijk met Genk eigenlijk op die eerste plaats. Genk nog wel de nabeurt zometeen tegen KV Mechelen. Maar Ekman neemt hier een hele goede optie op die play-offs. Enkel Standaar en Eupen gaan echt nog voor gevaar kunnen zorgen. En dan gaan we ook nog naar het doelpuntensaldo natuurlijk moeten kijken. Bij Club Brugge momenteel plus 6. Eentje erbij was plus 5 voor deze partij. Genk staat momenteel nog op plus 8. Nou ja, là pour l'instant en tout cas, le club de Bruges qui se repositionne en tête de cette poule 1. Au plus grand plaisir, j'imagine, des supporters du club. Et pour l'instant, ceux du Standard attendent cette fin de rencontre pour voir un petit peu ce qui va se passer. Car l'équipe perd. Hein. Et ce complique un petit peu la tâche. Hein. Larin, goede contrôle ook van de Canadees. Larin voor de 3. Oh, c'est rentré! En het is voor de 3. Hij gaat erin. Ekman even op zijn Rashfords. Oh, naar het hoofd wijzen.
1-3, over en out voor Shadow. Over en out voor Shadow. Ouais, Shadow qui n'y croit pas, hein, qui n'y croit pas. Moi non plus, je pensais pas que ce ballon allait rentrer premier poteau. Et là, je pense que ça met le KO et ça scelle la victoire du club de Bruges, bien qu'on ne sait jamais dans FIFA, hein, même s'il reste très peu de temps. Wat een geweldige pot, FIFA 23. Dit is reclame voor onze Proximus e-Pro League. En dit is ook opnieuw het bewijs dat het competitieformat met minder wedstrijden voor heel wat spektakel kan zorgen. De Bruyne gaan we nog voor de vierde. Ja, Ronaldinho op de borst. En dan moet je eigenlijk voor de omhaal gaan met Ronaldinho. Ouais, als je hem controleert op de borst, in de box, dan moet je voor de omhaal gaan. Ça repart du côté du standard ici avec Victor Osimhen, le centre sur Sorloth. Et standard qui revient à la toute fin de match, 3-2. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir au score? Mais à mon avis, non, c'est pas possible. Over and out, hij kwam er nog even wat dichterbij bij dat puntje Shadow. Maar het is effectief een 2-3 overwinning voor Rudy Ekman. Dus mee op de eerste plek, wel op basis van doelpuntensaldo, dus tweede. Maar goed, de nabeurt is nog voor KRC Genk. Maar ik zeg het nog eens, dit was een geweldige partij. Ah non, c'était un match vraiment formidable entre les deux acteurs, Shadow et Rudy Ekman, qui nous ont offert un spectacle auquel on s'attendait de ce topper, hein, entre le Standard de Liège et le club de Bruges. On a vu un club de Bruges être beaucoup plus dominant en deuxième mi-temps, ce qui a fait la différence comparé au Standard qui avait très bien repris la rencontre après avoir encaissé. Hein. Et donc du coup, pour l'instant, le club de Bruges qui se positionne dans les premières places. Ja, en als dit een voorbode mag zijn voor de rest van de speeldag, dan kan het alleen maar mooi worden. We gaan verder dus met Mechelen tegen Genk. Tot zo. Deuxième match de cette septième journée de la poule 1 entre Malines et le KRC Genk. Nouvelle grosse rencontre entre deux gros joueurs et deux gros joueurs des E-Devils qui nous représentent si bien. Et une grosse rencontre pour tout simplement déterminer si Malines va réussir à garder sa quatrième place dans les playoffs ou bien si Gilles va tout simplement rester à cette première place qui lui permettrait de se qualifier directement, quasiment sûr, à 90% on va dire, pour ses playoffs également. Et surtout, Malines ne veut pas se faire attraper par des clubs comme le Standard de Liège ou encore le RC Anderlecht. Inderdaad, bij winst kan KV Mechelen naar een gedeelde eerste plaats komen met Club Brugge en Genk. En dan wordt het wel heel spannend die laatste twee speeldagen. Als Genk vandaag wint en Anderlecht pakt niet meer dan een puntje straks, ja, dan is Genk al geplaatst voor de laatste acht voor die play-offs. De titelverdediger die is goed bezig dit seizoen, maar ook Keanu Niwa is behoorlijk aan het spelen. Nog een pak slaag uitgedeeld vorige week aan de nummer 2, Gent. Die komt vandaag niet in actie. Dus ook hij is op stoom aan het komen. En dat hadden we misschien aan het begin van het seizoen niet helemaal verwacht. Dat KV Mechelen na 3 heel moeilijke seizoenen het zo goed zou doen. Ah oui, oui, oui. C'est surtout qu'on pense à la saison dernière. Le KV Mechelen avait beaucoup plus de difficultés avec Miran à l'époque. Maintenant, avec Keanu Niwa, les ambitions ont complètement changé. Et on voit qu'il y a vraiment de l'ambition et qu'il y a cette envie de vouloir participer aux playoffs et de montrer qu'on n'a pas changé de club pour rien et que nous, on est en capacité également de participer dans ce dernier carré, dans ces festivités de cette fin de saison du côté de cette e-pro league. Ja, een van de grootste uitdagers tegen de titelverdediger KV Mechelen, Genk, is op gang getrapt door de Yellow Reds Army van KV Mechelen. En zij zouden van dit jaar misschien wel voor de dubbel kunnen gaan. De beker in het normale voetbal en wie weet de beker in de Proximus e-Pro League. Het kan allemaal nog. Ook Genk kan die dubbel nog halen. Kampioen in de Jupiler Pro League. Maar dan moeten we eerst hier op letten. En de save van Genkie Thibaut Courtois. Ça commence fort et ça commence vite. Kevin De Bruyne. Oh, attention, la grosse roule. Oh, c'était bien joué cet arc-en-ciel suivi d'une frappe instantanée de Kevin De Bruyne. Ja, het begint al opnieuw goed. De eerste partij was al heerlijk. En nu al 3 kleine kansjes voor KV Mechelen. Hij wil er geen gras over laten groeien achter de kazerne. Hij wil imposer directement son jeu, hein, Keanu Niwa, face à Gilles Bernard. Parce que on sait, hein, quand on tombe dans le piège, dans, j'ai envie de dire, le jeu de Gilles Bernard, il est vraiment très difficile de s'en sortir et lui il va imposer directement son rythme et marquer au plus vite. Et pourquoi pas sur cette occasion avec Ronaldinho, Ronaldinho qui rentre dans la surface de réparation. Le ball recoupe. Oh non, c'était bien joué ça. Ik dacht even dat hij te ver met de bal was, maar hij raakte er toch nog door. Met uiteraard Ronaldinho, de icon. Dat helpt natuurlijk wel.
Coutinho, cette carte hein, qui fait souvent la différence. Capdevila qui revient derrière tranquillement à Touré. Capdevila de nouveau et perte de balle. Belle récupération des joueurs des 100 et jaune. Wat Keanu heel goed doet, vind ik, is verdedigend het veld heel klein maken. Dat eigenlijk alles op een aantal metertjes moet uitgespeeld worden. En dan heeft Gilles net iets meer moeilijkheden om echt in zijn spel te geraken. Ja, c'est beaucoup plus difficile, hein. Et lui, du côté de Gilles, on voit souvent deux belles lignes de 4 qui défendent tous ensemble. On peut la voir ici, hein. Deux belles lignes de 4 qui ferment toutes les brèches. Et tandis que de l'autre côté, c'est beaucoup plus une attaque en 3-4-3. Hein. Et c'est assez difficile pour l'instant d'essayer de passer parce que du côté de Gilles, il maîtrise cette défense. Si bien, il encaisse très peu de buts en plus de ça. Ja, het is ook een wedstrijd van de beste aanval bij Mechelen tegen de beste verdediging van de competitie. Twee tegendoelpunten nog maar Gilles en dit was bijna nummer 3. Les occasions se multiplient du côté de Malines. Pour l'instant, Gilles est un petit peu timide. Hein? Ja, Gilles ook nog maar 10 keer gescoord dit seizoen. Dat was vorig jaar ook een probleem. Dat hij niet genoeg doelpunten maakte. Hier wel wat ruimte nu met De Bruyne. Dat is 2 tegen 1 eigenlijk. Dat is 2 tegen 1. De Bruyne gaat hier zelf voor. En dan heeft hij wat moeilijkheden met dat schot. Wat is daar gebeurd? Ah, il a raté son time finish. Il a raté son time finish. Ja, au lieu d'être vert, qui est passé au rouge. Hein. Et donc, du coup, le ballon a fait une sorte de drop. Attention, peut-être l'attaque ici du côté de Malines avec Capdevila. Capdevila dans la surface de réparation. Ah, goed verdedigd. Mais Meunier qui défend vraiment très bien. Ja, dit wordt kwestie van die zeldzame kansen af te werken, deze partij. De Ketelaren. Meunier, ça c'est reparti de l'autre côté avec Malines. Ronaldinho, le player lock. Il reprend. Salmakers avec Kevin De Bruyne, la belle passe pour Ronaldo. Mais ah, c'est bien défendu par Koulibaly. Ja, ook een beetje moeite met die controle, R9. En dat hielp de verdedigende ploeg wel wat. Maar kijk eens hoe weinig ruimte er is. Kijk eens hoe klein. Oui. Het is een soort cirkel dat hij maakt, een soort rondo. Om alles af te sluiten. Ronaldo, opletten nu. De Ketelaren voor de 0-1. De Ketelaren! Oh. 0-1 voor Genk. Il m'a surpris, il m'a surpris. Moi, je pensais même qu'il allait faire le centre pour essayer d'assurer ce but. Mais non, il trompe totalement tout le monde. Et cette frappe, frappe du droit de Charles de Ketelaar, premier poteau qui finit au fond. Het is jammer dat we de herhaling niet krijgen. En ik herhaal het iedere week dat ik hier sta. Laat ons die zien, alsjeblieft. Dat is ook voor de social media highlights een beetje gemakkelijker. Om dat allemaal mooi op te knippen. Maar goed, 0-1 voorsprong voor Gilles Bernard. Ja, Gilles, hein, c'est ça. La qualité de Gilles. D'être serein, même lorsqu'il est dominé. Et en une occasion, faire la différence. Hein. C'est ça la qualité principale du champion de Belgique. Attention, peut-être avec Ronaldo. Wow, oh, goed verdedigd. Tour. Il a cette capacité, il a vraiment cette capacité et cette facilité à prendre le bon joueur, le sélectionner pour bien défendre directement, comme il l'a fait. Heel erg snel vaak. Ah oui, il est très rapide, hein, il est très rapide. Ça, c'est vraiment un geste de pro, comme on le dit. Ronaldo. Ja, wat moeite met die bal. De controles zitten niet al te geweldig bij R9 vandaag. Meunier. Meunier sur Yaya Touré. Salmakers. Korte tikkies, doorspelen, opletten. Ça joue bien. Ah, le long contrôle de Capdevila qui empêche ce bon petit tiki-taka. Maar het kan even goed gebeuren dat hij dan toch nog voor zijn voeten valt. Hij is in zijn spel aan het geraken. Dat is gevaarlijk voor Emino Mercy. La passe dangereuse. Thomas Meunier qui déborde. Attention, peut-être le centre qui va arriver. Le player lock sur Ronaldinho. Ronaldinho avec Ronaldo. La frappe de Ronaldo. Ah, iets te veel tijd nodig. Ouais, c'était vraiment nécessaire. Heureusement qu'il est revenu, hein, le défenseur malinois, pour empêcher ce but du chaos, j'ai envie de dire presque. Ja, en dat is toch opletten voor Emino Mercy. Want dit zou kunnen betekenen bij verlies dat als Anderlecht wint, Mechelen uit de top 4 valt. Zowaar Ronaldo. Hier moet een goal uitkomen. En dat wordt hem ook. 1-1 Mechelen. L'égalisation ici d'Emino Mercy qui revient au score après avoir subi pas mal d'occasions du côté de sa défense. Et Kevin De Bruyne qui fait la différence en se retrouvant bizarrement tout seul dans la surface genkoise et pour marquer ce but.
Was misschien iets te gemakkelijk voor KV Mechelen. Blijft wel een vreemd zicht om Kevin De Bruyne in een shirt van KV Mechelen te zien. Ah, ja. Maar goed, hij heeft de 1-1 op het bord gezet voor Emino Mercy. Alles te herdoen in deze partij. Juste avant la mi-temps, en plus c'est bien ça d'égaliser juste avant la mi-temps. Et qui envoie le ballon directement en touche, hein, Kalidou Koulibaly pour avoir cette mi-temps. Reprendre un petit peu de force, s'hydrater hein, du côté d'Emino Mercy. Tandis que de l'autre côté, Gilles Bernard discute avec Geoffrey Mehou, son coach, pour essayer de voir ce qu'ils peuvent améliorer lors de la seconde période. Ja, en we gaan nu ook zien, zeker bij deze twee spelers, dat de pauzes wat langer gaan duren dan normaal. Nee. Normaal gezien. Nee. Wat rust nemen, dit wordt nog een serieus steekspel in de tweede helft. Want twee jongens op het hoogste niveau. Misschien wel de meest constante in de laatste weken. Gilles Bernard en KV Mechelen in groep 1 dan toch. Zeker nu Shadow verloor daarnet van Club Brugge. Maar dit belooft bijzonder spannend nog te worden. Want zoals ik zei, Mechelen kan zijn vierde plek even goed kwijtgeraken vandaag aan Anderlecht. En Anderlecht moet vandaag tegen maar Cercle Brugge, de laatste in de stand. En surtout mettre la pression sur Gant. Gant qui ne joue pas aujourd'hui, qui est bail. Hein. Et donc du coup pour tout simplement maintenir la pression en lui montrant que dans le rétroviseur, nous sommes là. Ne t'inquiète pas pour ça, mon petit Milan Plévir. On ne perdra pas l'occasion. En tout cas, on fera notre maximum pour essayer de te dire qu'on est là et qu'on souffle derrière ton oreille. Belangrijk wel, als ik me niet vergis, moeten Mechelen en Anderlecht wel nog tegen elkaar op de laatste speeldag. Ouais. Et il faut faire attention hein, également à Anderlecht qui joue le Cercle de Bruges aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil du côté du Cercle de Bruges de jouer face à Anderlecht et essayer de prendre ses petits premiers points. Ja, het zou maar eens kunnen. Et ça, c'est une pression également pour Zach. Hein. Cap de Villa, De Bruyne. Ja, Zach heeft alles te verliezen vandaag, denk ik. Exactement. Cap de Villa krijgt wat ruimte. De ketelaren wil iets te veel. Koulibaly kon gewoon blijven staan. De Donker. Cap de Villa. Het veld wordt nu wat meer opengetrokken. Meunier. Meunier qui est de plus en plus présent du côté de Malines. On voit pas trop Youssef Attal. Attention. Ronaldo. Ah, dat is een goede bal. Oh, geweldig verdedigd van Koulibaly. Koulibaly qui se retrouve souvent sur les bonnes trajectoires. Ongelooflijk. En dit was geen AI, mensen. Dat is niet Koulibaly die uit zichzelf dat been uitstrekt. Dat is gewoon Gilles Bernard. C'est ça, hein, sa capacité à pouvoir sélectionner les bons joueurs lorsqu'il faut défendre. Parce que c'est pas facile. Hein. Attention, de la belle balle ici au Ronaldo qui est trouvé cette fois-ci dans l'intervalle. Et qui frappe sans pour autant essayer de trop bouger pour tromper justement la défense de Gilles Bernard et prendre l'avantage. 2-1 pour Malines face au grand Gilles Bernard et son KRC Genk. Ja, en Mechelen virtueel op de eerste plaats, want een veel beter doelsaldo dan Gilles Bernard. Plus 11 tegenover plus 7. Dat zijn 4 doelpunten om te overbruggen. Ja, ça devient de plus en plus resserré au niveau du haut du classement. Hein. Ja. Et là, vraiment, la pression est sur Anderlecht et le Standard de Liège qui n'ont plus droit quasiment à l'erreur jusqu'à la fin de la saison régulière. Ja, dan gaan we down the wire moeten gaan tot aan het einde van het seizoen. En dat belooft, want momenteel ja, gewoon nog de 6 beste ploegen waarvan we verwacht hadden dat zij voor die eerste 4 gingen strijden. Gewoon nog alle 6 in de running. En dans la POV de Gilles Bernard, on l'a vu, hein, c'est rare de le voir comme ça. Être un petit peu inquiet, tellement il n'a pas été inquiété lors des toutes premières journées. On sentait toujours très serein et là c'est pour la première fois que je le vois un petit peu plus dans le questionnement, dans les questionnements. Mais est-ce qu'il va réussir à passer outre? Voilà le défi que lui propose aujourd'hui Kianou Newa. Het zou ook het eerste verlies van het seizoen zijn voor Gilles Bernard. Ça pourrait l'être. Hein. Meunier. Et Atouré. Koulibaly. Changement d'aile sur Cap de Villa qui gagne son duel. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne avec Ronaldo. Le hit to ball roll, la frappe suivie. Mais Courtois était de nouveau sur la trajectoire de la frappe.
Wat gaan we hier nog krijgen? Gaat iemand echt Gilles Bernard over de knie kunnen leggen? Hier is hij opnieuw in de aanval. Cap de Villa voorbij Meunier. Veel ruimte nu. Oh, houdt even in. Waarom doet hij dat? Ja, gaat toch gewoon richting die achterlijn. La défense malinoise qui était bien en place là, qui a réussi à avoir en plus de cela tous les contres favorables des passes de Cap de Villa du côté du KRC Genk. Ah, Meunier wordt er meteen uitgehaald na die gemiste bal. Ah, oui, c'est ça. Faut prendre des décisions. Ce sont eux les coachs hein, qui décident de prendre les joueurs et de les remplacer. Het handige is dat je hier achteraf het wel niet moet gaan uitleggen aan de spelers. Waarom ze eruit gehaald zijn. Nee. Dat is net iets anders dan in het echte voetbal. Maar goed, het is toch een klein statement van Amino Mercy. Geen vertrouwen meer op dit moment in Meunier. Ja, pas du tout. Il a fait rentrer justement Ivan Perisic. Ivan Perisic qui... Bon, qui est plutôt bon au milieu de terrain. On va voir s'il va réussir à contenir justement les assauts du côté de Charles de Ketelaere ici et Cap de Villa qui était très offensif. Ook Perisic bij Genk erin gekomen. Ronaldinho, hier is Perisic. Perisic niet voorbij Cap de Villa. Dan maar even terug. Touré. Oh, ja. Pourquoi pas. Opportunistisch. Pourquoi pas cette frappe de loin? C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de frappes de loin, de peur à ce que les joueurs puissent complètement perdre leur action. Attention, Youssef Attal qui récupère bien le ballon, Ronaldo est tout seul. Le gardien est bien sorti du côté de Malin. Youssef Attal avec Ronaldinho, la passe pour Sandé qui est là. L'égalisation du KRC Genk. Mais quel but de nouveau de Charles de Ketelaere. Dit is piek Gilles Bernard hoor. Rustig blijven tot die bal volledig vrij ligt en de hoek open is. Ja. 2-2. De kaarten weer helemaal door elkaar geschud. Opnieuw alleen op die eerste plaats. On l'a vu du côté d'Emino Mercy qu'il regrette cette perte de balle. Hein. Cette perte de balle du côté de Cap de Villa. Attention avec Ronaldinho, les passements de jambes, il n'a pas le coup de favorable. Ça a failli passer. Mais encore une fois, Gilles qui était vraiment bien attentif du côté de Donker pour défendre cette action. Nog 12. FIFA-minuten ongeveer op de klok. Er zal nog wat extra tijd bijkomen. Een minuutje of twee. Benieuwd wie hier nog het laken naar zich toetrekt. Cap de Villa voorbij zijn mannetje. Dat is handig. Perisic nu aan de andere kant opletten. Attention, Perisic là qui ouf, qui est bien repris par Donker. Donker qui fait un très bon match. Très bon match du côté du KRC Genk. Pour empêcher pour l'instant, attention peut-être avec l'occasion de Ronaldinho qui la donne à Ronaldo. De Ketelaere, le tout bon il a récupéré, il marque. Par chance, il s'excuse sur cette occasion. Et Gilles Bernard, on le voit ici, très inquiet, très préoccupé par ça, parce que c'est la première fois qu'il fait face à une défaite peut-être. Ja, inderdaad, het is een beetje ongelukkig, maar opnieuw iets te veel ruimte bij de centrale man van KV Mechelen. En dan doet hij het handig. Heeft hij een beetje geluk, maar werkt hij het wel af. En het staat zo weer 3-2 in het voordeel van KV Mechelen nu. Et on le sent, comme tu le dis si bien, que du côté de KRC Genk, entre les deux défenseurs centraux, il y a vraiment énormément d'espace. Et Emino Mercy ne cesse que de forcer sur cet axe-là, cet axe défensif, où il trouve facilement Ronaldo et Charles de Ketelaere, hein, qui étaient tout, incroyablement tout seuls. Donc il en profite et ça fait 3-2. Ja, en al 5 doelpunten in beide wedstrijden. 10 in totaal in 2 wedstrijden op speeldag 7. Ce sont deux matchs pour l'instant très spectaculaires qui sont en train de passer. Notre Ipro League est vraiment incroyable cette saison-ci. Avec de très bons joueurs de part et d'autre. On espère que ça va continuer jusque dans les finales. Heeft Gilles Bernard nog een antwoord klaar? Dat is de hamvraag. Perisic verliest daar de bal. Hij heeft hem nu wel terug. Simon. Touré. Simon opnieuw. En daar zit een donker goed tussen. En nu kunnen we counteren met Emino Mercy. Dat kan gevaarlijk worden. De Bruyne. En dat doet hij heel rustig. Dat doet hij bijzonder rustig. Paasje. De hoek in. Ronaldinho. Gaan we voor de 4-2? Dat is de vraag. Ronaldinho. Heeft hem nog altijd. Nou, dat is minder. Cette perte de balle qui peut être fatale.
Quelle belle relance, Origi qui touche le ballon sur Ronaldo. Origi de nouveau, Ronaldo qui se retrouve tout seul. Va-t-il jouer sur Ronaldo? Oui, mais il a intercepté de nouveau par Koulibaly. Goed verdedigd, De Bruyne wel nog aan de bal, het is nog niet gedaan. Ronaldo, waarom draai je daar terug? Waarom draai je niet verder? Ronaldo, geen buitenspel. Oh, Gilles. Dat zal hij niet vaak laten liggen. Ronaldo. En dat is een goeie. Dat is de 3-3. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Gilles Bernard. Il est incroyable. Il est incroyable. Zo veerkrachtig. Dat hebben we nog niet vaak gezien. Quelle lucidité, Jean-Pierre. Quelle clairvoyance. Hein. Hij heeft er genoeg van. Ah, quelle clairvoyance de la part de Gilles Bernard qui arrive à trouver la passe nécessaire. Dans les derniers instants du match, en ayant la pression, il arrive malgré tout à être lucide. C'est ça qui fait que c'est un grand joueur. Ja, maar kijk eens, hij had er echt genoeg van op het einde. Maar dit betekent wel dat hij sowieso aan kop van het klassement blijft. Helemaal alleen Gilles Bernard en dat Emino Mercy echt wel moet gaan kijken naar Zak Bentato nu. Die kan op een gelijk aantal punten komen met 11 als hij wint tegen Cercle Brugge. Het is dus nog niet gedaan in Poule 1. Het is absoluut nog niet gedaan. Alles kan nog door elkaar geschud worden. En dat maakt het eens zo spannend. We zien het hier nog eens. Ah oui, là, il y a deux rencontres formidables qui vont arriver juste après, qui vont justement concerner ce match aussi. Les deux premières rencontres de cette poule 1 qu'on va regarder attentivement entre Anderlecht et le Cercle de Bruges. Mais avant ça, nous avons une belle rencontre malgré tout de cette poule 1 entre le STVV et le KS Eupen. KS Eupen qu'on appelle le Kingslayer. Est-ce qu'il va réussir cette fois-ci à se relever? Parce que cette saison-ci, c'était pas trop ça au niveau des résultats. Nee, beide hebben punten nodig, anders kan het vandaag al wel eens gedaan zijn. We zien het zo meteen. Elf doelpunten in de eerste twee wedstrijden. Laat ons hopen dat we dat kunnen doorzetten met Sint-Truiden tegen Eupen. Normaal gezien een partij waar we ook wel wat doelpunten kunnen verwachten. En vooral een hele belangrijke voor beide spelers als ze toch nog dat sprankeltje hoop willen houden op die play-offs. Pour eux maintenant, ils sont loin des play-offs. Donc du coup, ils ne peuvent plus espérer grand-chose de cette fin de saison régulière. On espère pour eux que ce match-ci va leur servir de, pourquoi pas, de miroir pour l'année prochaine. Espérons que tout se passe bien pour eux et qu'ils puissent nous offrir un très beau spectacle, hein, que ce soit du côté de Snelle Yelle ou bien du Lix, Ulix que l'on connaît mieux d'habitude et cette saison-ci qui a énormément de difficultés et qui joue contre un joueur qui nous a donné de bonnes impressions aussi, yeah. Snelle Yelle, sans pour autant être un Milan plaisir, j'ai envie de dire. Dat niet, maar Snelle Yelle heeft wel heel wat kwikke en leuke dingen laten zien dit seizoen. Laat ons hopen dat hij volgend seizoen nog krijgt om zich wat te ontwikkelen. Dat is wel belangrijk natuurlijk, dat je op lange termijn ook denkt in e-sports projecten. Bij Eupen doen ze dat ook. Dit seizoen misschien net iets minder goed gedraaid. Ulix heeft het wat moeilijk gehad. Is ook één keertje hier moeten komen spelen bij ons op kantoor. Dus heeft het absoluut niet gemakkelijk gehad. En vandaag zou ja, wel eens het einde kunnen zijn van zijn seizoen. Ah ja, je pense qu'aujourd'hui ça va être un point marquant de sa saison pour essayer d'évaluer un petit peu son niveau face à un adversaire qui est réputé pour l'instant un petit peu plus faible que les autres, que ce soit en tout cas les quatre premiers qui sont en phase qualificative pour les playoffs. Et lui qui est juste en dessous d'eux va essayer tout simplement de montrer qu'il avait le niveau pour pourquoi pas accrocher. Et face à un Snelle Yelle qui lui a tout approuvé parce que c'est sa toute première saison dans l'élite. Ja, misschien wel belangrijk. Ik heb het nog eens nagerekend. En eigenlijk ligt Eupen er al uit. Want nummer 4 heeft 11 punten. Dat is KV Mechelen. Eupen heeft 4 punten met nog maar 2 wedstrijden met deze erin te spelen. Dus voor hem is het seizoen sowieso al over en out. Voor Sint-Truiden kan het allemaal nog. Hij heeft nog 3 wedstrijden te gaan, dus 9 punten te pakken. Dus vandaag is Road to the Playoffs voor Snelle Yelle echt wel helemaal begonnen. Atal. Yaya Touré, Ronaldo, et la perte de balle, récupération du côté de Penard. Attention, le pressing, le gegenpressing qui a été enclenché directement par les joueurs de Saint-Tron pour récupérer la balle au plus vite. Hein. Attal, met Ulix aan de knoppen. Salemakers, verlies ze maar aan Cap de Villa. Het zou een pleister op een houten been zijn voor Ulix als hij hier vandaag nog wint. Het is jammer dat we zo vroeg al officieel, nu niet, maar officieus afscheid moeten nemen van hem in de road naar die playoffs. Dat is een goede bal van Snelle Yelle, Ronaldo er net niet bij. Ah, c'est dommage, c'était bien tenté. Le ballon qui n'était pas assez profond
pour tromper la défense de Dundonker sur cette tête des pandas de Pen. Et on sent vraiment la volonté de Saint-Tron de mettre directement la pression face aux joueurs. Chacun des joueurs de Pen est tenu à la culotte pour empêcher une quelconque passe. On va voir comment est-ce que Ulix va s'en sortir. Ronaldo, ballon avec Kevin De Bruyne, Yaya Touré qui se retourne. La passe pour Ronaldinho dans la surface de réparation. Belle défense, Trudonnet. Ja, Sint-Truyde moet wel opletten, want zijn controller is plat. Dat moet je dan toch wel voor de wedstrijd checken, zou ik denken. Heeft in ieder geval op de pauzeknop geduwd. Laat ons hopen voor hem dat het niet in het midden van de aanval of verdedigen uitvalt. En dat hij de kans krijgt om de kabel even in te steken. De ketelaren aan de andere kant, Ronaldinho. Een beetje een rommelig begin van beide spelers. Ito staat er niet bij veel mensen in. On espère pour lui que la manette ne va pas s'éteindre, mais normalement ça devrait aller, ça devrait tenir. Ah, il fait souvent ça, hein, lorsqu'il a Ronaldo au ballon, il essaie de faire le flip-flap inversé. Et je pense que Pen l'a compris. Et donc voilà, encore une fois, il le fait. Est-ce qu'il va le faire tant qu'il peut pour que ça puisse passer? Mais bon, j'espère pour lui qu'il va penser quand même à autre chose parce que c'est facilement défendable du coup. Ronaldo aan de andere kant, ook slordig. Ja, het is... Je hebt het gevoel dat het inderdaad al een beetje over en uit is. Ronaldo nu voor de 1-0. Sint-Truyde wijst ook even naar het hoofd. La fameuse célébration à la Marcus Rashford. Eigenlijk Ruben Neves, blijkbaar. Hij is er blijkbaar mee begonnen. Ja. Maar goed, snelle Jelle. Die opent de score tegen Ulix. Ja, die zijn seizoen. Nu zit erop en dat voel je misschien ook wel een beetje in zijn spel. Snelle Jelle, het kan allemaal nog. Het kan allemaal nog. Pourquoi pas. Maar het gaat afhangen van de andere spelers. Ah, ça veut dire qu'il doit aussi gagner toutes ses rencontres, hein, qui lui restent. Et on sait qu'il a encore des rencontres difficiles. Mais Snelle Jelle, comme on le disait en début d'émission, c'est vraiment un joueur qui a vraiment de très bonnes qualités. Offensivement, il est bon, il arrive à se construire beaucoup de très bonnes occasions, mais malheureusement, défensivement, c'est un peu plus difficile. Et surtout, il y a ce manque de concentration, comme par exemple avec ici l'occasion de... Avec ça, le Makers qui égalise directement sur l'entame, sur l'engagement. Et comme on le disait, les problèmes de concentration. En timed finish ook van Salemakers. En plus. En zo zijn we terug bij af. 1-1 op het scorebord. En snelle Jelle in de problemen voor die play-offs. Voilà. Ja, Touré. Atal. En Touré. Snelle Jelle. Flip-flap. Ja. Encore, hein. Altijd die reverse elastico met R9. C'est de Salemakers qui a failli trouver Ronaldinho qui est tout seul depuis tout à l'heure avec Ronaldo. Ronaldo qui rentre à la passe qui arrive un petit peu trop tard. Heel wat risico hierbij. La contre-attaque, ça repart maintenant du côté de Saint-Tron, mais bien repris par De Ketelaar et Eupen. Ja, van met de bal bij de aanvaller is van Snelle Jelle, verliest hij vaak heel snel de bal. Want zijn skills, ja, die betalen momenteel nog niet. Ja, de Bills, voilà. Pas pour l'instant, en tout cas. Et Eupen qui s'en sort plutôt bien. Sur la, il a vraiment du mal à défendre. Le petit pont de Yaya Touré. Ronaldo, Ito. De nouveau avec le Brésilien. Qui va écarter, non, qui trouve en profondeur Pelé. Qui écarte cette fois-ci pour Yaya Touré qui va frapper, non. Qui revient sur Charles de Ketelaar avec la chance. Pelé, la passe. Net iets te veel. Ja, de initiële controle met Pelé was iets te rechtdoor. Daar moet je proberen een hoek te maken. Ronaldo, reverse elastico. 2-1 en hij wijst naar het logo op zijn shirt. Snelle Jelle. Hij is op zoek naar een snelle voorsprong telkens opnieuw. Encore une fois, c'est systématique dès qu'il a le ballon avec Ronaldo de faire le reverse elastico. Ça passe ou ça passe pas, il le tentera quand même. Et ça finit par avoir une occasion, une belle occasion qui finit au fond. 2-1 pour Saint-Tron face à Eupen. Je pense même que Ulix doit vraiment se dire, mais comment ça se fait qu'il tente même lorsque ça passe pas et que je sais qu'il va le faire, ja, mais ça passe inderdaad. Quand même. Maar natuurlijk, als je het 100 keer probeert, zal het wel een aantal keer lukken.
Al is het onbedoeld of bedoeld, dat maakt allemaal niet uit. Het zal wel een keertje lukken. Dit is goed gespeeld van Sint-Truiden. Pelé. Ah, dat is net iets te veel willen. Natuurlijk op dat kunstgras in Sint-Truiden gaat dat allemaal makkelijker. Daar was het eigenlijk niet nodig. Je pas on devrait compter. We moeten beginnen turven inderdaad. Maar effectief, als je hem daar meepakt naar je linkervoet, dan trap je hem gewoon binnen. Laat ons zeggen dat we er al zeker 10 gezien hebben. Vanaf nu begin ik te turven. Laat het mij weten als ik er eentje moet bijzetten. Dat was een poging tot, maar de beweging niet goed afgemaakt met de rechter joystick. Allee. En dan sluipen we dichterbij de rust. Kijk, De Villa. Koulibaly. Kevin De Bruyne. La récupération du Youssef Attal du côté de Saint-Tron. Il trouve Pelé. Junya Ito. Ronaldo. Oh, c'est bien joué. Dat is heel mooi gespeeld, inderdaad. 3-1. Snelle offensivement, il a vraiment de très très belles qualités. Il arrive à facilement se créer des occasions, mais c'est juste que sa concentration lorsqu'il se fait reprendre défensivement est un peu plus difficile et qu'il n'arrive pas à maintenir le score. Mais sinon offensivement, c'est un joueur qui a des qualités. Waarom doet hij daar niet nog even een reverse elastico? Ah, c'est vrai que là comme par hasard au moment où on voulait compter, il arrête de le faire. We gaan rusten met een 3-1 verdiende voorsprong voor Sint-Truiden. Oelix die zit er wat beteuterd bij. Ja, die voelt dat ook wel, dat er hier wat dingen niet goed zitten. Maar goed, hij heeft nog 45 minuten om het recht te zetten. Qui reprend pour l'instant la place de peine à la 7e place. Qui se cale juste derrière Anderlecht. Inderdaad. En hij kan nog altijd dus op 12 punten het seizoen eindigen. En er dus nog bij zijn. Maar dan moet je hopen dat Standaard Anderlecht en vooral KV Mechelen niet al te veel punten meer pakken. Of geen eigenlijk. On verra bien. On verra bien. Peut-être que ça sera la surprise de cette fin de saison. Het zou maar eens ça pourrait bien. Pour en dan komt hij waarschijnlijk uit tegen Charleroi of Antwerp. In die eventuele kwartfinales. De Ketelaren. Hoekschop. Kort genomen. Dat is geen goede bal. Mauvaise passe. Ronaldo. À la contre-attaque du côté de Pen. Alexis Alemakers qui se débarrasse de Charles de Ketelaar. Alexis Alemakers de nouveau. Qui fait face à Kevin De Bruyne. Il n'arrive pas à le reprendre. Kevin De Bruyne qui est de toute façon game bien. Out. Ok. Ouais. Bien repris, on dirait. Par oh, la passe en profondeur, mais je pense qu'avoir joué. Was het een flip-flap? Denk het wel. Ah, j'ai pas fait attention. Dat ik er één gezien heb. Ik ga hem opschrijven. On le compte. Yaya Touré. Kevin De Bruyne, Yaya Touré. Yaya Touré avec Kevin De Bruyne. Ah, goed verdedigd van het al naar binnen gekomen. Divo Corrigui qui a fait son entrée du côté de Pen. À la place de Julien. Oeh, dat was vol risico. Ah, dan zo rustig, hè? Ja. Ja. Oeh, dat is de croquetta. Oeh, mooi gespeeld. Mooi gespeeld. De kroketjes, die zijn gebakken. Lekker met een beetje mayonaise, want die pakt vandaag bij Snelle Jelle. C'était bien tenté, ça. Qui a, au niveau de cette rencontre, au niveau des occasions, qui a vraiment l'avantage dans tout, hein, Snelle Jelle, qui est beaucoup plus impliqué que Eupen. Eupen qui est un petit peu perdu dans le tourbillon trudonnaire. Het vat is ook een beetje af, denk ik, bij Eupen. Ronaldo, goede paas wel hier richting De Bruyne. Koulibaly hier opnieuw tussen. Ja, en dan weer zo'n risicovolle paas. Daar moet hij echt wel mee ophouden, Snelle Jelle. Hij heeft een doeltrap. C'est joué de façon courte. Koulibaly, attention la perte de balle sur Alexis Alemakers. Alemakers, le player lock, qui l'envoie au loin sur Charles de Ketelaar. Charles de Ketelaar qui rentre dans la surface de réparation. La frappe, oh, la frappe croisée magnifique du joueur du Milan AC. Charles de Ketelaar avec le time finish vert. Et Ulix y revient tout doucement dans la rencontre. Oh, dat is goed gevoetbald. Ronaldo, geen reverse elastico, ook geen doelpunt. Eh oui, c'est ça. Dat is het probleem misschien. Et là, par contre, il aurait dû faire le reverse elastico. Qui aurait, à mon avis, trompé Courtois. Goeie optie geweest, stevige tackle.
Een gele kaart voor Leander den Donker. Wiens gezicht eigenlijk heel goed lijkt op hem in het echte leven. Goeie scan van EA. Attention cette passe, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Capdevila, le centre de Capdevila, bien intercepté par la défense de Saint-Tron. En nu de counter. Steken maar richting Ronaldo, die heeft de bal nog, maar Koulibaly stond nog in de buurt. C'est dur de battre Koulibaly au duel. Charles de Kettelaar qui trouve Alexis Lemakers, le ball roll qui va trouver Yaya Touré, la frappe, non, Yves Dan, la dernière passe à Ronaldinho, il l'a anticipé, ja. Il a bien bougé le Thibaut Courtois. Ja, de kwaliteiten zijn aanwezig bij snelle Jelle. Exactement. Echt waar. Nu wel opletten. Klein stiftertje van Ronaldo. On va dire que cette saison, c'est une saison d'apprentissage. Hein. Inderdaad. Pour snelle Jelle qui apprend ce qu'est le haut niveau. J'imagine que pour les prochaines saisons, il sera beaucoup plus fort, beaucoup plus conscient de ses qualités également. Attention, peut-être à la hors-jeu. Buitenspel en op de pauzeknop geduwd door snelle Jelle. Nog 20 minuten volhouden voor de speler van Sint-Truiden. Of opnieuw het heft in handen nemen. Il garde la même formation. Il n'y a pas trop de changement. Il observe un petit peu ce qui se fait de l'autre côté avec Eupen. Le Pen qui pour l'instant n'a pas encore fait la célébration de l'aigle. Hein. L'aigle n'a pas encore pris son envol. Ik denk niet dat de adelaar zal opstijgen vandaag. Je pense, hein. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour l'aigle. 3-2 op het scorebord tussen Sint-Truiden en Eupen. En opnieuw veel doelpunten. Dat zijn er nu 16 in 3 wedstrijden zowaar. Een gemiddelde van iets meer dan 5 goals per match. 5,33 om precies te zijn. Dat is veel. Dat is enorm veel. Ja, vraiment beaucoup de buts hein, qui sont marqués. C'est très spectaculaire. Cette poule 1 nous a donné beaucoup de très belles rencontres. Ronaldo, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, la frappe de l'extérieur, Kevin De Bruyne. Hij heeft hem nog. De Bruyne. Hij mag ver komen, Ronaldo. Nee, goed verdedigd van Koulibaly. En dan opnieuw counteren nu. Sinds we zijn beginnen tellen, heel weinig elastico's gezien. Nee. Hij zal ons gehoord hebben. Of zal doorhebben dat het niet werkt tegen iemand als Ulix. Dat is goed gespeeld. De Ketelaar vrij aan de zijkant. Pelé niet meer bereikbaar. Ronaldo, daar is hij. Nummer 12. De Bruyne. Dat is een goede bal op Pelé. 4-2. De adelaar die blijft aan de grond vandaag. Het is de Limburgse vogel die mag opstijgen. Snelle Jelle, 4-2 voorsprong met nog een klein kwartier te spelen. En dan kan je wel zeggen dat de buit zo goed als zeker binnen is. Goede doorsteekpaas op Pelé. En dan geweldig afgewerkt voorbij Thibaut Courtois. Très, 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 très belle occasion ici créée par Snelle Jelle qui termine avec Pelé. Une très belle occasion. On le sent, comme on le dit, que ce joueur a vraiment de très belles qualités. Qui a du mal un petit peu à défendre, mais sur cette fin de saison, il prend un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de plaisir. Il a moins de pression peut-être aussi parce qu'il se dit qu'il est là pour tout simplement prendre du plaisir et pas se qualifier au niveau des playoffs. Et peut-être que ça va payer d'ici la fin de saison, surtout s'il fait un son en faute. Et que de l'autre côté, les 4 premiers font des erreurs avec accompagné d'Anderlecht et du Standard de Liège. Traoré erin gekomen. Capdevila. Krijgen we nog een 5e doelpunt van Snelle Jelle, dan moeten dit soort ballen beter zijn. Ronaldinho, het is natuurlijk nog niet gedaan. Simon krijgt veel te veel ruimte. Simon, Koulibaly. Wat zou de E-Pro League zijn zonder Koulibaly? Ah, oui. Oh, kijk eens hoeveel ruimte nu. La contre-attaque du côté de Saint-Tron. Oh, la passe en attente. C'est dommage. Je pense qu'il aurait dû continuer tout droit avec ja. De Ketelaar. Mais c'est pas grave, il la récupère bien ici. Ah, dat is goed gespeeld. Origi voor de 5e voorzet. Oh, magnifique. Oh, dan wil hij het mooi doen. Il a tenté le beau jeu. Dan wil hij het te mooi doen. Trap die bal toch gewoon tegen de netten. Ah, c'est dommage, il a tenté le beau jeu, Snelle Jelle. Et c'est reparti de l'autre côté, Moses Simon. Moses Simon, le centre, Ronaldinho. Oh, heerlijke goal. Quel but. Heerlijke goal van Ulix.
Ah, il a marqué un beau but, hein, là. Attention peut-être à ne pas tout perdre sur cette fin de rencontre. Crépin Diatta avec Moses Simon. Moses Simon qui pousse le ballon un petit peu trop loin, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Daar komt Snelle Jelle, zoals hij zelf zegt, goed weg. Jongen. Ook hier weer een doelpuntrijke, een kansrijke partij. Origi aan de andere kant wordt niet neergehaald. Gaan we voor de 5-3. Origi, voorzetje, tweede paal. Nee. Tijd voor nog één kans voor Ulix. Stel je maar eens voor. Stel je maar eens voor dat dit nog lukt. Origi. Faut tacler. Origi. Oh, il tacle. Le tacle nécessaire. La défense nécessaire du côté de Snelle Jelle pour préserver peut-être cette victoire, à moins que, bah oui, forcément le rouge, que Ulix s'est tiré les coups francs. Stel je maar eens voor dat hij er nu nog in vliegt, die bal. Il faut prendre Kevin De Bruyne, là, normalement, pour tirer les coups francs. KDB? Ah, non. Hij neemt hem niet rechtstreeks, dat is bijzonder. Ah, dat is misschien wel dom, okay. Maar Traoré hier nog met een vrije paaskans. Oef, opletten, Simon, nee! Oh, bal gered op de lijn. Oh, la. Wat een knettergekke partij opnieuw. Il n'en croit pas ses yeux. Surtout que bah, sur la fin de cette rencontre, il s'est vraiment joué de lui-même. Il a failli se tromper lui-même en dégageant dans l'axe. Comme ça, comme on dit quand on apprend le football, dès les diablotins, on ne dégage pas dans l'axe. Et lui, il a fait l'erreur de le dégager. Il a failli en payer le prix. Crazy. Snelle Jelle, heel wat te leren nog, maar brengt telkens opnieuw spektakel. En zit dus nog in de running voor de play-offs. Behoudens resultaten van KV Mechelen. Niemand mag dus nog naar 12 punten gaan, want dan gaat Snelle Jelle wel een probleem hebben. Ulix, van hem moeten we afscheid nemen dit seizoen officieus. Hij zal nog wel het seizoen uitspelen, uiteraard. Maar hij geraakt dus niet meer bij de eerste vier. Il ne sera pas présent cette saison-ci dans les playoffs. Ulix qui a fait une saison un petit peu en demi-teinte. On n'a pas vu le grand Ulix qu'il était lors des dernières saisons. Il a eu beaucoup de mal à conserver et à mettre son jeu en place. Et ça se paye aujourd'hui encore plus face à un joueur qui vient d'arriver dans l'élite, Snelle Jelle, qui a montré de très belles choses et qui confirme nos dires, hein, ce qui est plutôt chouette et plutôt cool. On espère que les prochaines fois, en tout cas, Ulix fera de meilleures prestations. Volgend seizoen beter. Goed, we nemen even een zijsprong naar groep 2, waar we klaar zitten voor de absolute topper. Antwerp tegen Sporting Charleroi. Groep 1, dat ziet u nog 3-3, of 2-3 liever. Standaard tegen Brugge 3-3. Mechelen, Genk, Sint-Truiden-Eupen werd 4-3. Veel doelpunten en dat verwachten wij dus ook bij Antwerpen tegen Charleroi. On espère qu'il y en aura aussi hein, dans les prochaines rencontres et surtout sur ce topper de la poule 2 qui commence juste après ça. C'est parti pour ouvrir le chapitre de la poule 2 de cette 7e journée. Et quel match pour ouvrir ce chapitre entre l'Antwerp et Charleroi. Deux équipes qui sont ex aequo en tête du championnat de la poule 2. Deux équipes et deux joueurs qui sont en extrême grande forme cette saison-ci. Et on espère voir beaucoup de spectacles lors de cette rencontre-ci. Et je pense qu'on n'en manquera pas. We hebben al veel doelpunten gezien vandaag en doelpunten is het enige wat deze twee spelers van elkaar nog scheidt. Zimmet een net iets beter doelpuntensaldo dan NB. 11 voor, een positief doelpuntensaldo. Charleroi heeft plus 8. Dat zijn 3 doelpunten om goed te maken voor Nathan Bonafini. Maar allebei aan kop dus met 11 punten. Nu ja, daarachter wordt het ook wel spannend. Leuven 10 punten, Union 10 punten. Dus vooral groep 2 is absoluut nog niet gespeeld. Want ook bij winst vandaag voor een van beide heren zijn ze nog niet zeker van die play-off. Exactement, Thijs. La poule 2 n'est pas du tout jouée encore. Il y a peut-être même Mans et son KV Kortrijk qui peuvent encore revenir si à condition que, bien évidemment, qu'ils gagnent toutes les rencontres. Mais le gagnant d'aujourd'hui peut prendre vraiment une sérieuse option à la qualification et se préserver pour la place de numéro 1 dans la poule 2. Et on sait que les deux, ce sont de grands compétiteurs, tant NB que Zimet. Zimet, d'ailleurs, qui cette saison-ci nous prouve qu'il a évolué, qu'il devient de plus en plus fort et que l'habitude du jeu et qu'il y ait les skills va à son avantage. Ja, het is zijn beste seizoen tot nu toe sinds wij de Proximus e-Pro League uitzenden bij 11. En het werd ook wel eens tijd, want Zimet altijd wel gezien als een talent, iemand die heel goed FIFA kan spelen. Maar ja, als het puntje bij het paaltje kwam vorig seizoen en het seizoen ervoor was het altijd net te weinig. Dit seizoen heeft hij dat wel aangepast. Nog maar 7 tegendoelpunten, 18
gemaakt, zowaar. Dat is niet niets. Dus wie weet krijgen we Zim uiteindelijk nog eens in het postseason. En doet hij misschien wel een gooi naar de titel. Het zou zomaar eens kunnen. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, il est, dans, à mon avis, c'est un outsider parmi les grands de notre championnat qui peut, pourquoi pas, essayer de surprendre et d'arriver dans les derniers instants de cette e-pro league. Et en plus de cela, il arrive de plus en plus à corriger ses erreurs qui étaient principalement le manque de finition, parce qu'il se créait beaucoup d'occasions, mais il pêchait souvent devant Thibaut Courtois. Et là, lors des dernières rencontres, il marque énormément de buts. Comme tu l'as dit, il a marqué 18 buts, mais par contre, il encaisse aussi beaucoup de buts. Ja, 7, het valt nog mee enigszins, maar ja, Zimmet is zo'n speler. We hebben dat in het eerste jaar gezien. Toen hadden we die 90-rated modus, 5-star skills. Dat ging wel oké, maar spelers niet geweldig. Vorig seizoen Ultimate Team, weinig jongens met skills. En nu heeft hij voor het eerste seizoen echt heel goede spelers. En Zimmet is zo iemand ja, die eigenlijk met PSG moet kunnen spelen, maar je dan wel echt helemaal kapot maakt. Mais il a besoin PSG nodig, il a besoin aussi de leurs joueurs, parce que les joueurs du PSG, dont un ancien joueur du PSG qui est dans notre e-pro league, c'est Ronaldinho, et on sait qu'il s'en sert vraiment très bien au niveau des skills. Est-ce qu'il va réussir à s'en servir bien aussi contre Charleroi? On va le voir lors de ce match-ci, parce que du côté de Charleroi, ça joue également très bien. Et NB est un grand amateur de skills. On va voir un petit peu cette rencontre des deux premiers du championnat de la du côté de la poule 2. Allebei in hun uitshirt, dat is opvallend. Rood-wit voor Antwerp, geel voor Charleroi. En het is Antwerp dat meteen goed begint. Goeie bal, Ronaldo, krijgen we al meteen 1-0, jawel. Oh, dit gaat bijzonder snel. En kijk, NB is meteen de handen voor de ogen. Ja, dit is... We hebben zelfs geen tijd gehad om het te volgen. Et qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Zimet qui a corrigé son petit problème de finition. Et là, sur sa première action, il fait preuve, il fait grande preuve de sang-froid devant le gardien. Et il arrive à faire directement la différence. Et là, je pense qu'il y avait un petit problème au niveau des paramètres d'NB. Mais ok. Mais ça, c'est des choses qu'à voir peut-être avant. Dan moet je voor de wedstrijd met je coach overlopen. Dat mag eigenlijk niet gebeuren aan kop van het klassement. En eigenlijk gewoon te koer niet in een semi-professionele of professionele competitie. Nee. Dit is gewoon een inschattingsfout en niet goed gecheckt. En Zimmet heeft daar geweldig goed gebruik van gemaakt. Heel rustig gebleven. En die bal zachtjes in de verste hoek geschoven. 1-0 op het bord voor Antwerp. On va voir comment est-ce que Zimet va stevige duel. Oh, on l'a wel. Ronaldo, le oh ouf. La balle qui revient chanceusement dans les pieds de Charles de Kettelaar. Charles de Kettelaar qui se retourne, qui essaye de perturber la défense. Le il-to-ball roll de nouveau, les passements de jambes avec Yaya Touré. Yaya Touré sur Ivan Perisic. Ivan Perisic avec Ronaldo, la fin de frappe pour s'orienter. Geweldig verdedigd van Zimet op het juiste moment. Pas ingestapt. Heel lang gewacht om actie te ondernemen. En dat heeft geloond. We zijn... Goed beter, 8 minuten ver. On sent la attention, peut-être la perte de balle, la frappe et l'égalisation sur cette frappe de Ronaldo. Il y a pas d'enjeu, un but partout entre l'Antwerp et Charleroi. Ja, ook een beetje met geluk deze bal voor NB. Zien we daar ook niet tevreden mee, maar wat gebeurt hier vandaag? Hoeveel doelpunten gaan wij te zien krijgen? Franchement, j'en ai aucune idée, mais qu'est-ce qu'on prend du plaisir à voir énormément de buts en tout cas aujourd'hui. We zijn terug bij af. Gelijk. Na 10 minuten spelen. 2 doelpunten gezien al. Atal. We krijgen geen ademruimte vandaag. Arsène en ik. Franchement. Ook niet nodig. Ronaldinho. Mooie elastico in de aanname. Dat is bijzonder. Le passement de jambe ici, là, voilà, ce sont deux joueurs qui ont un profil qui se ressemble très fort. Attention, le Bene qui est peut-être tenté, non, il s'est ravisé au dernier moment. Donc je disais que c'est vraiment deux joueurs qui ont plus ou moins le même type de jeu. Beaucoup de techniques, de gestes techniques qui sont sortis de tous les joueurs, que ce soit des ball rolls, des passements de jambes, des virgules, des élasticos, peu importe. Et c'est à celui qui va réussir à surprendre le plus l'autre. Hein. Ja, en twee spelers voor wie FIFA 23 echt wel heel goed werk doet. Zimmet in 22 het veel moeilijker met doelpunten te maken en die bal uit zijn doel te houden. FIFA 23 ligt hem veel beter. Hier was hij even opnieuw met Salemakers. Ronaldinho nu aan de andere kant.
Perisic op dat middenveld bij Charleroi. Ronaldinho. Player look fake. Ronaldinho, le centre. Oh, dat is een goede bal. Oeh, Ronaldinho. Ronaldo, pardon. Ronaldo werd te laat aangeduid om echt naar die bal om zich naar die bal te kunnen gooien. Ronaldinho. Oh, magnifique. C'est vraiment très beau tout ce que l'on voit là, les skills. Ronaldo, la non, Charles qui est là. Quelle reprise de R9. Eh oui, c'est peut-être même lui le R9 de Charleroi. Charles de Ketelaar avec cet élastico qui arrive à s'orienter devant Dendonker qui met la balle au fond des filets. Belle action du côté de Charleroi qui prend l'avantage. Heel mooi uitgespeeld. Ik dacht dus dat het R9 was. Het was dus wel degelijk CDK. On a vraiment cru que c'était. C'est vrai parce qu'il y a deux versions de Charles de Ketelaar. Un Charles de Ketelaar avec 5 étoiles geste technique, tandis que de l'autre côté, il y a un Charles de Ketelaar avec 5 étoiles mauvais pied. Et connaissant l'artiste que c'est NB, lui, il a choisi de prendre celui avec les 5 étoiles geste technique. C'est pour ça qu'on a pu voir Charles de Ketelaar faire une virgule. Ronaldo aan de andere kant. We gaan gewoon door op dit elan. Wat een knotsgekke speeldag tot nu toe. Déjà 3 buts, hein. Même pas la deuxième période qui est enclenchée là. Nee, we zijn nog niet eens over de helft. Capdevila. Salemakers pikt op. Dat is met een beetje geluk die bal nog kunnen afnemen. Chadraba, dit is goed. De Ketelaren. Dat is een goede bal. Maar de donker ertussen. De camera die was al vertrokken. Ja, c'est bien joué ça du côté de l'Antwerp. Ronaldo, il prend pas de vitesse. Capdevila, Capdevila qui défend vraiment très bien. Dat is iets te makkelijk. Capdevila, de donker. Capdevila, le jeu de côté de Charleroi qui redouble les passes. De Ketelaar. De Bruyne. Weet je wat wel het interessante gaat zijn voor de play-offs? Natuurlijk, vorig seizoen speelde iedereen al één keertje tegen elkaar. Wisten ze al wel hoe het voelde om tegen elkaar te spelen? Nu, in poule 1, niemand weet hoe het is om tegen NB te spelen. Exactement. Je pense qu'il y a personne qui veut vraiment jouer contre lui. NB qui fait une saison vraiment remarquable pour sa première saison dans l'élite en Pro League. Qui me donne vraiment une très bonne impression. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, comme tu l'as si bien dit, de la poule 1 qui auront pas très envie de jouer face à ce talentueux joueur du Sporting Charleroi. Et là, on sent qu'il prend vraiment le match en main. Il contrôle le ballon pour essayer tout simplement d'empêcher Zimet de jouer parce que un Zimet qui joue, c'est un Zimet qui est vraiment très dangereux. Ja, een heel snelle balherovering telkens op het middenveld van NB. Zijn wedstrijdplan sinds de controls goed staan, zit goed in elkaar. Salemakers, beetje ruimte. Perisic. Oh, mooi gespeeld. Bruyne. Ja, dat was een timed finish. Dus die kon wel eens richting de winkelhaak gaan. Et on voit que NB fait beaucoup de gestes techniques, beaucoup de redoublements de passes, beaucoup de player lock, mais que c'est pas fait dans le hasard, peut-être avec la contre-attaque ici. Oh, voilà. Geweldige tackle. Comme je disais, c'est pas fait de manière hasard, enfin c'est pas hasardeux, et il fait les choses de manière vraiment très cohérente, et on sent qu'il y a un entraînement derrière, et il s'entraîne surtout, et je pense qu'il a même pu se qualifier pour les FGS. Et donc du coup, on ressent qu'il joue beaucoup contre des pros d'autres pays, que ce soit des pros, yeah, des Français, des Pays-Bas, des Allemands, des Anglais. Et on voit que dans son jeu, il y a un certain niveau au-dessus comparé aux autres. Ja, we gaan rusten met een 1-2 voorsprong voor Charleroi. En inderdaad, NB gebruikt veel skills, maar dan voornamelijk om die bal goed bij te houden. En de opening te zoeken, niet puur voor de show of omdat hij er niet beter bij weet. Nee, het is echt wel berekend allemaal bij NB. En natuurlijk, ja, hij heeft zo'n ervaren Didista naast zich. Die echt wel een meerwaarde biedt aan Charleroi. Zimet, ja, die zit er nog altijd alleen. Die heeft niet echt een aanwezige coach. Ja, ja, Zimet, qui est son propre coach. Hein, qui s'est mis dans sa bulle avec sa capuche. Sa capuche qui représente le fanion et le club de l'Antwerp. Et je pense qu'il est dans son monde avec sa musique pour essayer tout simplement de passer outre ce Sporting Charleroi.
Origi aan de bal. Atal. Antwerp moet wat in elkaar beginnen boksen. Want anders ligt die eerste plaats voor het grijpen voor NB. Capdevila. De Ketelaar. Bien défendu de la part de Charleroi. Contre-attaque. Il va plutôt poser le ballon, je pense. De Ketelaar, non. Ah, qui aurait pu prendre la profondeur en partant tout droit. Il s'est ravisé. Capdevila. Capdevila. Et Yaya Touré. Yaya Touré qui est passé derrière maintenant, qui couvre plutôt l'aile. Du côté de Charleroi. Origi. Wel belangrijk, Zimmet één wedstrijd minder gespeeld dan Charleroi. Dus kan NB sowieso nog wel inhalen als het nodig zou zijn. Ah, c'était bien joué, c'était bien tenté de la part de Zimmet. Qui level up un petit peu plus son niveau. Ronaldinho. Dat is goed gespeeld. Ah, ça c'est bien joué. Niet, nee. Nu wel. Salemakers. Salemakers er helemaal voorbij. Dat is goed gespeeld. Salemakers, balletje afgeven, dan draaien keren. Ronaldinho, wat gaat er gebeuren? En dan komt die bal voor de voeten van een speler van Charleroi. Dan is het 1-3. Ah, oui. Het is opnieuw. Charletje, de Ketelaar. Et on le sent vraiment libéré maintenant NB. Qui peut s'exprimer, même s'il a vraiment eu de la chance sur ce but en ayant le contre favorable. Il permet tout simplement à son équipe hein, de prendre l'avantage. Il a l'avantage également mental hein, parce qu'il s'est repris vite au moment où il a douté, lorsqu'il a encaissé vite et rapidement ce premier but. Et là, il enchaîne les buts comme des perles. En Zimmet in moeilijkheden hoor. Het is nog niet vaak gebeurd dit seizoen. Nog niet verloren Zimmet. Maar vandaag zou wel een keertje de eerste keer kunnen zijn. C'est vrai que tu pointes un quelque chose d'intéressant là, Thijs, en disant que Zimmet n'avait pas encore perdu, mais il n'avait pas joué encore face au meilleur de tout ce championnat. Et il tombe sur l'un des meilleurs, là en l'occurrence NB. Et on voit que bah, c'est un petit peu plus difficile. C'était une rencontre clé. Et peut-être une rencontre qui va indiquer beaucoup de choses pour le reste des playoffs, en tout cas. S'il se qualifie. Als hij zich kwalificeert. Niemand scoorde in de twee groepen al meer dan NB. 21 stuks. Ronaldo. Ik heb ook niet het gevoel dat er nog heel veel in de tank zit bij Zimmet. Maar hij mag me ongelijk bewijzen. Pierre de Ban. De Touré. De Ketelaar. Nou, die trekt zich op gang hoor. De Ketelaar tegen de donker, dat gaat heel snel. Capdevila. C'est bien joué ça, c'est bien joué ça du côté de Charleroi. Rustig bijhouden. De Ketelaar achterlijntje houden, tuurlijk. En dan moet die bal. Oh, il veut les highlights lui. Il veut les highlights de cette septième journée. Dat weten we al lang hè, dat hij de highlights opzoekt. NB. Het is niet de eerste keer dat hij het veel te mooi wil afwerken. Exact. Maar meestal krijgen we dan op het einde van de wedstrijd nog wel een doelpunt die binnen de highlights zal vallen. Vorige week was zijn gemiste Panenka een van de highlights. Nee. Waardoor hij gelijk speelde tegen Union. Il est très doué en tout cas pour se créer de très très belles occasions. Il est là pour le beau jeu et pour le plaisir des spectateurs et de nous-mêmes les commentateurs. C'est une chose que l'on aime. Je pense que... Eigenlijk moeten we hem bedanken. Ah, ouais. Eigenlijk moeten we hem een brief opsturen aan het einde van het seizoen met een bedankje. Misschien een klein chocolaatje erin. Bedankt voor het mooie spel. Maar dan verwacht ik ook een bedankje terug voor het social team van Eleven uiteraard. Want bien zij sûr. Zetten nog steeds die highlights online op Twitter. Dat kan je allemaal bekijken natuurlijk op onze Twitter-kanalen. Een big shout-out aan Tom. Hè? Onder andere Tom Savoldi. Ronaldinho gaat hij voor de 1-4. Dat is een goede bal. De Ketelaar 1-4. Over en out voor Zimmet.
En opnieuw 5 doelpunten in een wedstrijd. Incroyable, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, Thijs. On va voir énormément de buts aujourd'hui. Et en plus, des buts de qualité. Parce que là, les occasions que nous crée NB sur ce match sont vraiment dignes des plus grands joueurs de FIFA. Parce qu'il fait tout, absolument tout. Il sait tout faire. Et il le fait vraiment de la plus belle des manières. Et ça ne fait que donner de la qualité et du spectacle à notre magnifique Ypres League cette saison-ci. Quelle contre-attaque, Charles de Ketelaar. Oh, le bel arrêt de Thibaut Courtois. Ronaldo qui récupère le ballon. Yaya Touré, le centre qui trouve Ronaldo. Et de nouveau, Courtois qui fait l'arrêt nécessaire. Het enige wat ik kan zeggen is dat je niet als vierde wil eindigen in groep 1. Want dan moet je, als alles goed loopt voor NB, tegen Charleroi. En dan kan je wel eens in moeilijkheden komen. Ronaldinho mooi draaien, keren De Bruyne. En verliest hem aan die andere De Bruyne. Het draait voor geen meter bij Simmet vandaag. Daar moeten we eerlijk over zijn. Een off day misschien. Eentje mag je, kan je je veroorloven dit seizoen. Eentje, één off day. C'est incroyable, hein? NB, c'est vraiment le type de joueur que l'on n'aime pas trop affronter parce que lorsqu'il est en confiance et qu'il est en possession de toutes ses capacités, il est quasiment injouable parce qu'il sait tout faire et en plus de ça, il sait te perturber et t'orienter dans la mauvaise direction par rapport à ses dribbles. Exact, dat doet hij heel goed. Incroyable. Les skills gebruiken om snel van richting te veranderen. Atal, krijgen we nog een vijfde goal? Het zou zomaar eens kunnen. Ronaldinho, nog 5 minuten op de klok. Nog wat highlights creëren, jawel. Beetje pech nu bij Zimet. Hoekschop. Zimet a l'air complètement perdu. Alors que lui, c'est un joueur aussi qui utilise beaucoup les gestes techniques, mais il est tombé sur un joueur qui en utilise beaucoup plus que lui et de manière vraiment beaucoup plus efficace. Ja, misschien moet er wel een nieuwe controller gekocht worden na vandaag bij Antwerpen. Het is een frustrerende namiddag voor Zimet. Touré. Ah, diepsteken naar Ronaldinho. Magnifiek, ça. En dan wil hij het opnieuw wat te mooi doen. Maar ja, je zou verminderen. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec NB. NB qui monte en puissance vraiment sur cette fin de championnat. Qui nous montre qu'il est prêt à affronter tout le monde. Premier du classement ou pas. Il va imposer son jeu, il va imposer son rythme. Il va imposer sa qualité de jeu. Et on voit que Zimet, il a directement fait Alt F4. Hij is al vertrokken, Zimet, de speler van Antwerpen. Een zwaar statement van Charleroi. 1-4 tegen zijn grootste concurrent in Poule 2. Ja, die is op weg naar die kwartfinales. En zoals ik zei, je wilt nu niet als vierde eindigen in Poule 1. Je pense qu'il y a personne, hein. Il y a personne vraiment qui voudra jouer directement face à NB parce que c'est un joueur vraiment redoutable. Et s'il est concentré, qu'il tient son mental, je pense qu'il peut affronter et battre n'importe qui. Ja, hij zou wel eens iedereen kunnen verslaan. En dat is opletten geblazen in groep 1, waar we even terug naartoe gaan. Dat is Anderlecht tegen Cercle Brugge. Anderlecht, Zak Bentato, een van die jongens die wel eens op een vierde plek zou kunnen eindigen. In ieder geval, hij kan de top 4 inspringen als hij wint van Cercle Brugge. Dat er al uit ligt. Ik zou zeggen, tot zo. A tout de suite. We zijn opnieuw in Poule 1, waar we klaar zitten voor de laatste wedstrijd van die groep. En dat wordt er eentje tussen Zak Bentato en Cercle Brugge. Lars, die ligt er al uit. Voor hem niets meer te winnen of te verliezen, al zal hij wel graag minstens 1 puntje pakken dit seizoen. Il a plus rien à jouer, hein, le pauvre Lars, qui n'a même pas encore marqué le moindre but dans cette Proximus Ypres League. Et on espère, pourquoi pas, qu'il va se réveiller lors de cette fin de saison régulière, en espérant au moins marquer un but pour l'honneur, j'ai envie de dire. Mais face à lui, il fait face à Zakaria Bentato, Imperator, qui a aussi du mal, j'ai envie de dire, à rejoindre le peloton tête pour ses places au play-off. Il joue contre le joueur qui n'a pas encore marqué de points ni marqué de but. Pour lui, c'est une occasion en or, mais ça peut également être un énorme piège. Ja, inderdaad, alles te verliezen eigenlijk voor Zak Bentato, voor Lars, die eigenlijk vorig seizoen en ook dit seizoen wel leuke dingen heeft laten zien. Alles te winnen. Ik zou ook zeggen, als hij dan zijn eerste scoort, dan gaan we gewoon even los. Natuurlijk, hij verdient dat ook, want hij zit altijd op tijd op zijn plek. Hij communiceert juist.
iemand die de regeltjes mooi volgt. En dat hebben we graag. En Zakja, 8 doelpunten gemaakt. 7 tegen dit seizoen. Het loopt nog niet op wieltjes. Vandaag ja, een kans om zich te herpakken. Want de play-offs, ja, dat kan nog altijd. Bij winst komt hij op gelijke hoogte met KV Mechelen. Weliswaar een veel slechter doelpuntensaldo. Dus gaat hij op de 5e plaats zitten. Maar heeft nog 3 wedstrijden te spelen. Dus het kan allemaal nog voor Zak Bentato. En ook de laatste 2 jaren was hij er altijd net bij in de play-offs. Maar dan is hij 2 jaar geleden wel tot in de finale geraakt. Exactement. Maar le point difficile pour lui, c'est que s'il arrive néanmoins à se qualifier pour les play-offs en étant 4e, il fera face au premier de la poule 2 qui n'est pas l'adversaire le plus facile, qui est justement l'un des meilleurs joueurs de notre championnat, les deux poules réunies. Et ça, Zakaria, vu sa forme, on se dit peut-être que Charleroi aura l'avantage. Ja, om op die 4e plek momenteel te geraken, moet Zakaria Bentato in deze wedstrijd meer scoren dan dat hij dit seizoen al gedaan heeft. Hij moet er minstens 9 maken om een gelijk doelpuntensaldo te krijgen met KV Mechelen. We zijn eraan begonnen. Met Lemov aan de bal. De Bruyne. Dans le schéma type du jeu de Zakaria Bentato. Le contrôle du ballon. Beaucoup de petites passes. De possession de balle. Il essaie de sécuriser au maximum à chaque fois. Hein, de ne pas se tromper. Parfois peut-être qu'il en fait un petit peu trop. Ce qui fait que... Il se crée très peu d'occasions. De vraag is, wat die ik mij ook stelde, is wat Lars nu zou moeten doen. Ga je vol op de aanval om toch dat ene doelpunt te kunnen maken? Ook al slik je dan 10 doelpunten tegen vandaag, of wat doe je? Non, à la place de Lars, moi, ce que je ferais, ce serait d'essayer de bien jouer pour essayer de marquer au moins un but. Parce que je ne pourrais pas me regarder dans un miroir en ayant marqué 0 but après la fin de la saison régulière. Je me dirais que je ne mérite pas du tout ma place en Pro League. Ja, belangrijk ook voor Lars. Dit is als een voorlaatste wedstrijd. Hij heeft er hierna nog maar eentje. Dus dat doelpunt moet stilletjes aan wel komen. Zalemakers. Maar het is niet dat hij slecht speelt, vind ik. Want bij momenten wel goed aan de bal. Alleen als het op de beslissing aankomt, dan neemt hij vaak de fouten. Ouais, c'est vrai, hein. Lars, c'est pas qu'il joue mal, c'est pas qu'il ne joue pas bien, c'est que on dirait il joue comme s'il n'avait pas d'expérience et qu'il n'était pas présent lors des dernières saisons en Pro League et il est un petit peu trop brouillon dans ce qu'il fait et il a vite une baisse de motivation dès qu'il encaisse le premier but. Ja, dat klopt, maar ik moet wel zeggen en dan spreek ik voor mezelf. Ik vind doelpunten maken het moeilijkste misschien wel aan dit spel. Aan FIFA. C'est vrai que, bon, après ça dépend de ton adaptation par rapport à ce FIFA-ci qui est un autre FIFA comparé aux autres où les gestes techniques qui passaient auparavant ne fonctionnent plus et où il faut s'adapter à la méta. La méta, c'est ce qui fait la différence. Les joueurs pro utilisent la méta pour gagner les matchs et lui malheureusement, il l'utilise pas assez. Nee, dat klopt. De méta gebruikt hij niet. Courtois, Koulibaly, De Bruyne en Meunier. In principe dus een walk in the park voor Zak Bentato. Het is enkel wachten op zijn eerste doelpunt van de namiddag. Ronaldinho. Beetje ruimte nu. Salemakers. En dan had hij wat moois in gedachten met de ex-speler van Lemov. C'était bien joué, ça. C'était bien essayé de la part de Zak. Hein. D'essayer de marquer de loin cette trivée-là. Ça fait partie justement de la méta, comme on en parlait. La méta, c'est de marquer des trivées-là en dehors de la surface, l'extérieur du pied, qui est très efficace sur ce FIFA-ci. Et ça a failli faire la différence s'il y avait un petit peu plus de puissance et s'il avait réussi à lober Courtois. Attal. Cap de Villa. Ga op zoek naar die eerste goal, Lars. Ik denk dat het nog niet gebeurd is in de geschiedenis van de Pro League bij 11 dat iemand niet tot scoren kwam. Ook BNB Kylie in het eerste seizoen bij 11 die kwam tot scoren, haalde 1 puntje in de competitie. C'est vrai que c'est pas encore arrivé et justement comme je l'ai dit, j'ai pas envie que, enfin du moins pour lui, j'espère. Attention d'abord Ronaldo face au gardien, non, il se ravise, il revient, oh il rate, il manque l'occasion. Ça c'est une preuve de un manque de confiance de la part de Zakaria, ja, parce qu'après Zakaria, il met ça au fond. Il a veel te veel tijd nodig, had ik het gevoel.
Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne la frappe, mais c'est bien contré par Kalidou Koulibaly. Et on voit pour l'instant une rencontre platonique entre les deux joueurs. Hein. C'est pas la rencontre la plus folle auquel on a assisté depuis le début de cette journée. Nee, Et là, pour l'instant, c'est 0-0. In de eerste vier partijen zagen we in totaal 23 doelpunten. Pouf. Dat is meer dan 5 per match. Momenteel blijven we hier nog even op onze honger zitten. Het moet natuurlijk misschien wat in evenwicht gebracht worden. Anders gaat iedereen iedere week zoveel doelpunten verwachten. En dat kunnen we natuurlijk niet beloven. Ronaldo verliest de bal aan Den Donker. Countermogelijkheden nu bij Lars. Maar weinig jongens mee tegen toch wel veel defensief ingestelde spelers bij Anderlecht. En dan opnieuw dat balverlies. Zak moet de tempo wat opdrijven. C'est ça. Il doit essayer d'élever un petit peu plus le tempo parce que la rencontre pour l'instant elle rentre dans le schéma de Lars, j'ai envie de dire, hein. Une rencontre où il n'est pas acculé par les attaques d'Anderlecht et où il peut se procurer des occasions comme par exemple ici avec des contre-attaques sur Pelé. Pelé qui va eigenlijk kunnen doorlopen denk ik. Ouais. Dat had hij gewonnen. Et ils ont le même jeu pour l'instant, hein. On voit pas trop de différence, ils essayent de garder le ballon en essayant de s'assurer un maximum pour marquer ne fût-ce qu'un but, mais ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression de ne pas voir les vrais joueurs là en face. Là, c'est plutôt des copies, hein, des joueurs, parce qu'un Zakaria Bentato est beaucoup plus méchant que cela et beaucoup plus efficace. Salemakers, met nog een minuutje tot de rust. Te weinig doelkansen gezien. Eentje voor Zak of toch een halve doelkans die hij vorig seizoen altijd had afgewerkt. Of als hij echt in vorm zou zijn, dan trapte hij ook tegen de netten. Maar we blijven echt wel op onze honger zitten. Of komt er hier nog wat van, Ronaldinho? Nee. Koulibaly is sterk. En dan gaan we rusten met een brilscore. 0-0 tussen Imperator en Lars 2002. Lars qui va peut-être réussir à prendre son premier point en faisant match nul sans marquer de but. Face à Anderlecht, si ça reste en tout cas comme ça, je pense pas qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Oui, bon, 4 occasions du côté d'Anderlecht et seulement une du côté du Cercle de Bruges. Est-ce que ça va rester dans ce schéma-là d'ici la fin de la rencontre? On va voir ça. Mais je sens pas non plus Anderlecht et l'Imperator être très dangereux sur cette première mi-temps. Ja, weinig honger momenteel in het spel. Nu ja, ik zie wel dat er een 4 ook staat in Lars zijn naam. Dat is misschien een cheeky manier om 420 erin te steken. Dus straks zal hij misschien wel wat honger hebben, Lars. Ik weet het niet. Goed, even die zijsprong. En dan zijn we er opnieuw aan begonnen aan die tweede helft. Atal. En ik hoop toch wel op het doelpunt. Op zijn minst, maakt niet uit langs welke kant. On espère voir un début. Hein. C'est vrai qu'on a été habitué depuis le début de cette journée à en voir une panoplie de buts. Et là, pour l'instant, on se contente du 0-0 entre Anderlecht et le Cercle de Bruges. Il y a Touré. Kevin De Bruyne. Il y a Touré, ça tourne en rond. C'est beaucoup de passes sur les côtés. Ça ne va pas assez vertical, à moins que Victor Osimhen. Osimhen qui la donne maintenant à Charles de Ketola. Dan moet je meteen durven trappen. Met die linker van de Ketelaar, verse hoek. En dan heb je nog kans dat hij goed terecht komt. Cap de Villa. De Ketelaar verliest hem aan Pelé. De Bruyne. Ja, Lars is beter begonnen aan de tweede helft. Nee. Dat is zeker. Kevin De Bruyne, Yaya Touré. Ja, rustige opbouw. Atal, Touré. Ah, c'était bien essayé, ça, le player lock, hein, pour essayer de tromper la vigilance. Attention, peut-être. Oh non! Waarom geeft hij die bal nog? Dat bedoel ik met beslissingen. C'est dommage, les décisions sont vraiment mauvaises du côté de Lars. Là, il avait l'occasion de marquer. Neem hem gewoon mee en je trapt hem binnen. En plus de cela, je pense que lui, il a le Charles de Ketelaar avec les 5 étoiles mauvais pied. Il aurait pu faire la différence en frappant avec le mauvais pied de Charles de Ketelaar. Et malheureusement, il a pris une mauvaise décision de faire encore une passe en plus. En dan moet je opletten dat je niet het deksel op de neus krijgt aan de andere kant. Want zo gaat dat vaak in het voetbal. Zo luidt het cliché. En een zak, ja, die moet in principe maar 1 keer voor de goal komen om te kunnen scoren. Oh la 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 la.
dit is ook niet al te best. Ah, c'est dommage, hein. C'est vraiment à l'image de la saison de ces deux joueurs. C'est très brouillon, c'est assez difficile, mais on espère quand même qu'il y aura des buts dans cette rencontre. Een beetje een anticlimax wel na die eerste vier partijen. Nee, nee, nee. Laat ons hopen dat de laatste drie van vandaag, Westerlo, Union, Oostende, Kortrijk en Seraing, Zulte-Waregem net iets interessanter zijn. Ah, dit was geprobeerd. C'était bien essayé. C'était bien essayé, effectivement. On va voir comment est-ce que Anderlecht va réagir parce que la pause a été demandée. Des changements à venir ou un changement tactique du côté des Mauves. Pour essayer d'avoir de meilleures occasions, parce que là, on n'a rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Touré. De Ketelare. Ronaldo, opletten nu met Zak. De Ketelare, een beetje ruimte. 4-1 wel, maar hij gaat het gewoon afwerken. Nee, tegen de paal. Nou, het zit hem ook niet mee, al was het een bijzonder moeilijke hoek om vanuit te scoren. Maar waar zijn al die aanvallende spelers van Anderlecht? Ouais, c'est vrai qu'ils étaient en retard. Ils étaient tous en retard. Charles de Ketelaere était parti dans un rush tout seul. Il aurait pu faire la différence à mon avis s'il avait fait le time finish vert. Mais malheureusement pour lui c'était foutje van Koulibaly, nog een tackle. Ja. Anderlecht qui prend de plus en plus le jeu à son compte, hein. Son rythme de possession de balle, un rythme vraiment très lent, changement d'aile. Redoublement de passe. On va voir si ça va réussir à faire la différence sur cette occasion, peut-être avec Ronaldinho. Ronaldo qui se trouve face au gardien. Ronaldo qui ouvre le score sur cette très belle occasion, très belle action de Zakaria Bentato. 1-0 pour Anderlecht qui ouvre enfin le score après plus de 60 minutes de jeu. Heel mooi uitgespeeld deze keer van Zak. Nu maakt hij het wel af en komt hij over standaard op de vijfde plek. Dat is toch al één plekje dichter bij de eerste vier. En daar aast hij nog altijd op natuurlijk. Maar het spel gaat wel beter moeten de komende weken. Meer kansen creëren. Maar goed, deze was geweldig uitgespeeld. En dan wel een keertje rustig gebleven en voorbij Thibaut Courtois gelegd. En Lars, ja, die heeft de kansen gehad om eerlijk te zijn. Of toch de kans om de kans te creëren. Hey. Waarop hij dan de foute beslissing nam. Ja. Ja, c'est à l'image de sa saison, hein. Lars, qui prend Inderdaad. beaucoup de mauvaises décisions, qui malheureusement ben, joue contre lui, il n'a pas le jeu aussi qui est avec lui, et ce qui fait qu'il est vraiment bon dernier. Je pense que même Westerlo est devant lui en termes de points, de buts. C'est dramatique hein, du côté du cercle de Bruges cette saison. Inderdaad. En het ziet er naar uit dat hij op 0 punten en 0 doelpunten gaat blijven steken na vandaag. Nog één kans dit seizoen voor hem. Hij heeft nog één van de komende twee speeldagen vrij. Lars. Dat gaat zo met ongelijke groepen. Pelé. Waarom staat hij zo ver aan de zijkant? De Bruyne, de Ketelare. Ronaldo, kom aan Lars, één doelpuntje. C'est vrai que ça fait quelques journées là qu'on espère que Lars va réussir à marquer son premier but de la saison. Ça lui ferait du bien, un petit peu de baume au cœur aux joueurs du cercle de Bruges. C'est un joueur qui n'est pas nouveau, hein. C'est pas un rookie, c'est pas du tout un rookie. Il connaît l'Pro League, il connaît l'élite, et c'est pour ça que c'est d'autant plus dommage de le voir dans cet état. Het enige probleem gaat nu zijn die bal nog van Zak kunnen afsnoepen. Hij gaat dat proberen uit te spelen, zoals een echte professional dat doet. Hey, Zak, pour garder le ballon, c'est un maître en la matière. Il va tout faire pour préserver son résultat, qui le maintient toujours dans la course aux qualifications, aux playoffs. Il passe devant le Standard de Liège et revient à quelques unités seulement du KV Mechelen, qui a pris un point. 8 doelpunten verschil. Et seulement des buts. Et voilà, en plus, ils ont le même nombre de points. Et il y a seulement 8 buts de différence entre les deux. Dat is veel om in te halen op twee partijen. Maar Mechelen kan natuurlijk nog punten laten liggen. De Ketelare krijgt hem niet opnieuw naar Ronaldo. 3 minuten op de klok.
Zak moet dit gewoon rustig uitspelen. Geen risico's meer. Bal nu wel opnieuw voor Cercle. En die geeft hem zomaar af. Beaucoup de pertes de balle du côté de Lars. Beaucoup d'imprécision. Et Anderlecht se dirige tout doucement vers la victoire. À moins que Lars nous surprenne sur cette occasion. Non, non. Nee, dat gaat hem niet worden. Even kijken hoeveel minuten extra we krijgen. Eentje maar. Dus Zak moet dit diplomatisch aanpakken. Dat gaat hij ook doen. Dit is wel gevaarlijk. Hij trapt hem buiten. 1-0 overwinning voor Anderlecht. De aansluiting met de top 4. Ja, is in orde. Il reste dans la course hein, aux qualifications pour ces playoffs. Une rencontre vraiment maîtrisée. Il était sûr de son match. Hein. Il a plutôt joué calme. C'est comme ça qu'il faut gagner parfois certains matchs. C'est un match qui aurait pu être un match piège où il aurait perdu ses nerfs en ne réalisant pas qu'il pouvait marquer face à la défense de Lars. Et il a eu beaucoup d'occasions pour le faire et il a fini par le faire et ça le réussit. Ja, en soms mag het eens saai gaan als het resultaat maar 3 punten zijn. We gaan nog eens kijken naar de wedstrijden die we vandaag al gezien hebben. Standaard 2-3 tegen Club Brugge verloren. Mechelen 3-3 tegen Genk. Sint-Truiden won met 4-3 in die heerlijke spektakelpartij van Eupen. Antwerp 1-4, Charleroi. En Anderlecht met 1-0 van Cercle Brugge. En dat brengt ons naadloos bij de volgende wedstrijd, Arsène. Oh ja, le prochain match entre Westerlo de Thijs Brouwers et l'Union Saint-Gilloise de Kinan Al-Nabani. Ja, en Westerlo die moet ook eens punten beginnen pakken. Tot zo. Deuxième rencontre de cette poule 2 de la 7e journée de cette Proximus iPro League entre le KVC Westerlo et le Royal Union Saint-Gilloise de Kinan Al-Nabani. Kinan Al-Nabani qui a fait match nul la semaine dernière contre Charleroi, 2-2 et qui lui reste une rencontre de plus à jouer par rapport à Charleroi et donc du coup il joue face aux meilleurs, voire la pire défense j'ai envie de dire, pardon, de la poule 2, le meilleur dans le sens inverse hein, bien sûr. Ouais. Thijs Brouwers, c'est le KVC Westerlo, il a l'occasion de revenir à un point derrière Charleroi. Ça risque peut-être d'être une free win aujourd'hui. Ja, het zou eens een free win kunnen zijn, want voor Westerlo zit het seizoen er eigenlijk al op 0 punten. Voor Thijs Brouwers, Kinan, inderdaad, zoals je zegt, die kan naar de tweede plaats springen. Over Antwerp, over Leuven. Bij winst vandaag 1 puntje achter Charleroi. En Kinan, ja, een beetje in de luwte, maar we mogen niet vergeten hoe goed hij dit seizoen is bij momenten. Hij heeft gelijk gespeeld tegen Charleroi. Dat is al een prestatie op zich, maar ook bij momenten toont hij zich veerkrachtig, komt hij terug uit een achterstand. Hij is een goede speler. Ja, c'est un très 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 bon joueur, hein, Kinan. C'est l'international marocain qui vit sa première saison en iPro League, en élite, et qui montre vraiment qu'il est là pour tout simplement tout rafler, qu'il a les opportunités et en plus de ça, il a les capacités de pouvoir le faire, de bien représenter le club de l'Union Saint-Gilloise. Tandis que de l'autre côté, Thijs Brouwers qui a beaucoup de difficultés, qu'on sent qu'il est encore jeune, qu'il apprend et qu'il est fort parce qu'il a joué contre des adversaires de son niveau au niveau de la région de Westerlo. Il a gagné le tournoi, c'est le fils du club, enfin c'est le fils du photographe du club, c'est un enfant du club, mais malheureusement ce n'est pas du tout assez et il joue face à l'un des meilleurs joueurs de notre. Hij is een rookie, dus hij heeft nog wel wat tijd om zich te verbeteren. Kinan, een beetje misschien wel het dark horse in de race naar de titel. Iemand ja, die mensen misschien niet verwachten in de halve finale, maar het zou zomaar eens kunnen. Natuurlijk, je moet ervoor zorgen dat je niet op die eerste plaats of de vierde plaats eindigt, liever in groep 2. Dan kom je uit waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, tegen Genk en dat wil je natuurlijk vermijden. Ouais, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va aborder cette rencontre. Une rencontre qui pourrait, comme je l'ai dit au début, une free win pour lui. S'il s'applique directement, s'il s'applique et qu'il réussit à marquer vite le premier but, ça peut être vraiment une purge pour Thijs Brouwers. Ja, en kijk eens, Thijs Brouwers die gaat wel vooraf aan de wedstrijd even kijken of alle controls goed staan. Bij Charleroi was dat blijkbaar een probleem waar zij niet van wisten. Dat is automatisch opnieuw overgeschakeld. Maar Thijs neemt dus het zekere voor het onzekere en checkt het even heel snel. En meteen in de aanval met Ito. Ito met de sprint, maar verliest hem al meteen. Union dan. Wij willen opnieuw wat meer doelpunten zien.
Dat begint hier goed. Ronaldo, vrij veel ruimte. We gaan player lokken met Ronaldinho. Ronaldo gaan wel snel de 1-0 krijgen. Of de 0-1 liever, de Bruyne. Ja, trap maar eens op Koulibaly. Bien défendu de la part de Westerlo. Ronaldo à la relance du côté d'Amari Traoré. Junya Ito. Yaya Touré. Yaya Touré. Ça avance au petit trot, mais ça avance. Amari Traoré. Buitenspel was het. Maar we spelen blijkbaar verder. Et bon retour hein, de Capdevila aussi là. Attention, la relance de Capdevila. Oh, le bel arrêt, non ! Le but marqué par Thijs Brouwers qui ouvre le score sur cette erreur monumentale de Thibaut Courtois. Ja, het staat 1-0 zowaar voor Westerlo. En hij slaagt er wel in, ondanks zijn nul punten, om af en toe dat doelpuntje te maken. Het is doelpunt nummer 4 dit seizoen voor Thijs Brouwers. Een beetje geluk daarbij. Nu ja, goed. Geluk dat dwing je af, zeker. Ah oui, les buts comme ça, ça arrive aussi. Hein. C'est, et justement, il faut les marquer. On a les occasions, mais c'est pas tout le monde qui réussit à les convertir. Et Thijs Brouwers a réussi à marquer ce but. Et ça peut très vite devenir une rencontre piège pour Keenan. On va voir comment est-ce qu'il va réagir. Ja, hier mag je wel geen punten laten liggen. Absoluut niet. Ah oui. Dit moet je nog kunnen omkeren met Ronaldo. En daar zijn we al 1-1. Reactie. En dat was die veerkrachtigheid waar ik het over had. Keenan, daar ben je nooit mee klaar. Action, réaction de la part de Keenan. Qui marque à l'entame, à l'engagement. Avec Ronaldo. Qui réussit à faire la différence sur cette frappe magnifique. Une frappe croisée. Petit filet. Un but partout entre Westerlo et l'Union. En dan beginnen we weer op 0. 1-1 gelijke stand. 13 minuten ver. En dit is opnieuw een goede voorbode voor heel wat doelpunten. Hey. Dat hoop ik toch. Hey, ja. Comparé à la rencontre précédente entre... Kito, dat is goed gedaan. Entre Anderlecht et le Cercle de Bruges. Celle-ci commence déjà beaucoup mieux avec beaucoup plus de buts. Déjà deux buts marqués en moins de 20 minutes. Ja, al maal 2 qua doelpunten. En hier zijn we opnieuw. De ketelaar meteen naar Ronaldo. Die gaat het afwerken. Nee, Courtois die ligt in de weg. De ketelaar heeft de bal wel nog. Ah, c'est dommage. Hein. Ronaldo il aurait dû faire peut-être un il tout ball roll pour dribbler le gardien. Ça serait passé. Et il aurait eu le but ouvert. Et il aurait pu marquer ce deuxième but pour le mettre à l'abri. Et pour l'instant, ça reste toujours un but partout entre les deux joueurs. Pelé, aan de andere kant opnieuw. Thijs Brouwers op zoek naar zijn eerste punt. En dan is er even wat lijk. Dat gebeurt natuurlijk als je van op afstand speelt. Daarom dus ook dat de kwartfinale bij Eleven op kantoor zal gehouden worden. Dan hebben we dat probleem normaal gezien al niet meer. Ah ja. Tenzij dat EA even aan de servers begint te werken die dag. À moins que EA... On décide autrement, les quarts de finale se joueront. Attention d'abord, on va donner cette information peut-être sur le but de Ronaldo. Deuxième but doublé de Luis Nazario de Lima. Ronaldo et Keenan Aldambani qui permet à son équipe et à lui-même tout simplement de mener au score et de prendre l'avantage dans cette rencontre. Lang genoeg gewacht tot Thijs, zijn keeper, echt wel het bos had ingestuurd zelf dan. En dan de 1-2 op het bord. Veerkrachtig. Hij gaat erop en erover. Keenan. En is de veer dan gebroken al bij Thijs Brouwers? Dat is de vraag. Maar 25 minuten verder. 3 doelpunten gezien. En het zou hier wel eens opnieuw een festijn kunnen worden. Là, je pense vraiment qu'on va être servi. On va vraiment être servi. Qu'il y aura beaucoup, beaucoup de buts d'ici la fin de ce match. Attention, Charles de Ketelaar avec Pelé qui... Ouh, il n'y a pas faute là. Et corner. Corner pour Westerlo. Je zou zomaar eens een penalty tegenkrijgen. Pelé moet ver terug. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Dat doet hij goed. Balletje richting de donker. De Bruyne. Oh, magnifique. Oh, Vito legt hem ernaast. C'est dommage. Thijs Brouwers s'est bien essayé là. Les Campinois qui essayent de réagir après... Ce coup de marteau. God, dit is goed gespeeld hè, van Keenan. Heel snel dat veld over. Nu op de meters van de tegenstander meteen aan het spelen. En hier wat pech bij die paas. Ito. De rechtsbuiten van Reims. Die dit seizoen het genoegen heeft om
met een geweldig talent samen te spelen. Volarin Balogun, de huurling van Arsenal. Et d'ailleurs, en parlant de Reims, c'est vrai que Junya Ito, depuis qu'il est avec Will Steele, ouais. Will Steele n'a pas encore perdu en Ligue 1 et invaincu toute compétition confondue, mis à part en Coupe de France. Ce qui est vraiment très impressionnant pour l'ancien joueur de Genk et l'ancien adjoint et entraîneur du Germinal Beerschot. Du Beerschot, pardon. Ronaldo gaat hier 1-3 van maken. Dat zou wel eens moeten. Den Donker. Ja, Kinan begint er een beetje mee te spelen. Het is rustig voetballen voor hem op dit moment. Even wat opgeschrikt bij dat eerste doelpunt. Ronaldo. Dat wil hij het mooi doen. C'est bien essayé ça. C'était bien essayé ça. Le stopball suivi de la virgule qui ne passe pas. Mais ça, c'était bien essayé en tout cas de la part de Kinan. Attention à la perte de balle. Sans danger pour les Campinois et Westerlo. Et Thijs Brouwers qui repart tout doucement avec Cap de Villa. Cap de Villa qui touche beaucoup le ballon. De Ketelaar sur Ronaldo. Ronaldo la passe en profondeur pour Pelé. Pelé qui arrive face au gardien. La frappe de Pelé, premier poteau. Mais Kinan était resté au premier poteau. Et Thibaut Courtois qui fait l'arrêt. Ja, met zijn verdediger sloot hij helemaal de tweede hoek af. En dan stond Courtois goed te keepen om die bal eruit te halen. Nog één hoekschop voor de rust, lijkt me. Ito. Maar Thijs Brouwers doet wel nog goed mee. Dat is zeker. Il se laisse pas faire, hein, Thijs Brouwers. Il réagit. Il essaye de revenir au score petit à petit, même s'il a beaucoup de difficultés. Hein. On sent qu'il a encore beaucoup de pas à prendre dans l'élite. Et au moins il essaye, hein. C'est son mérite. Hij probeert inderdaad en dan lijkt het dat we gaan rusten. We krijgen eerst nog wat lek en de goal. Ja, daar heeft hij wat geluk. En dan moet hij je eigenlijk excuseren. Op slag van rust, 1 minuut en een half te veel gespeeld. Nee. Hij... Maar de bal ligt erin. Zo simpel is het. Hij, Den Donker qui se fait dribbler facilement, qui se fait rouler dans la farine. Par Ronaldo sur ce dribble chaloupé et frappe du gauche, premier poteau qui passe en dessous du gardien. En zoals we in het slecht Frans zouden zeggen, mis dans le sac, in het zak gezet. Door Arnijn daar, de Donker. Mis dans le sac, daarmee sluiten we de eerste helft af. 2-2, gelijk spel. Nu ja, dat tweede doelpunt, ja, dat rook een beetje naar lijk. Een beetje naar een slechte verbinding of een drop in wifi. Maar ja. Kinan had het misschien zelf al eerder moeten afmaken. Ah, ben, ça arrive pour les deux joueurs. Hein. Ça arrive pour les deux joueurs que il y ait ces petits lags, hein, que ce soit du côté de Thijs Brouwers ou de Kinan Al-Nabani. Et pour l'instant, à la fin de cette première période, c'est deux buts partout entre les deux joueurs. Et comme je l'ai dit, Thijs Brouwers donne tout ce qu'il peut. Et c'est au mérite que ça fonctionne. Et pour l'instant, c'est mérité pour lui aussi de mettre ces deux buts-là. Ja, dat klopt. Thijs Brouwers doet goed mee, ook al is het voor hem al volledig verloren dit seizoen. Hij doet nog goed mee tegen toch, ja, een van de outsiders voor de titel. Origi erin gekomen bij Union. Telkens die verre Trivela naar de andere kant. De Ketelaar op de korte ruimte. Die Kitaka op een gezapig tempo momenteel. Cap de Villa qui va tenter un centre, non. Opnieuw lijk, dan moet je gaan opletten. Is dat nu in het voordeel van Union? Nee, want daardoor de verkeerde timed finish. Ils ont l'opportunité, les joueurs, on peut le rappeler dans le règlement, qui peuvent lever la main et signaler s'il y a un énorme problème pour eux, pour tout simplement avertir au moins les instances. Maar hij kiest om te blijven spelen. Ja, ze doen verder. Het is natuurlijk in onvoorziene omstandigheden, want die connectie wordt vooraf aan de wedstrijd getest. Als je voldoet aan een minimum en je stemt ermee in om te spelen, dan kan je niet anders dan verder te spelen. Exactement. Dat waren problemen die in het verleden vaak
voorkwamen. Terwijl we gaan kijken naar Origi die er 2-3 van gaat moeten maken. En dat laat hij niet liggen. Ook weer met een beetje geluk. Ben oui, c'est ça. C'est la rencontre. C'est le match de début de chanceux. Ça tourne, la mayonnaise tourne autant pour Tess Brouwers que Keenan. Et il faut juste en profiter. Et on sent que cette rencontre est quand même assez difficile pour Keenan. Keenan qui est un joueur vraiment qui fonctionne, j'ai l'impression, avec la confiance. Mais il redoute un petit peu de cette rencontre piège face à Tess Brouwers qui le met un petit peu en difficulté. Mais il réagit très bien en tant que grand joueur qu'il est. Heel wat geluk bij dit doelpunt. Doelpunt nummer 29 van de speeldag. Opnieuw. 5 stuks in 1 wedstrijd. We hadden het na de 1-1 gezegd dat het wel eens een doelpuntenfestijn zou kunnen worden. 29 buts déjà marqués. Ce qui est énorme hein, pour une seule journée de championnat. Attention, peut-être encore ici, là, Origi qui revient sur Ronaldinho. Oh, le bloc de Dundonker qui empêche l'Union Saint-Gilloise de faire le break et de se mettre à l'abri. Hier ontbreekt het hem opnieuw weer wat aan efficiëntie. Wat. Een pak meer doelpunten al kunnen maken vandaag. Keenan, de ketelaren nu. Pelé raakt nog als eerste bij die bal. Opletten nu voor Keenan. Ronaldo. Ja, mooi gedraaid, Ronaldo. Ja, c'était... Oh là là, le tackle. Attention, c'est bien. Oh, il récupère. Oh, lolo. Ja, Koulibaly met zijn lange benen. Ja, ja, il a réussi à intercepter ce ballon avant qu'il n'arrive du côté de Ketelaar. Pour mettre ce ballon au fond. Attention, le débordement de Youssef Attal. C'est fatal qu'il la donne à Divock Origi, Ronaldinho, la virgule inversée, la frappe qui suit. Magnifique but, plein de sérénité de la part de Keenan, qui la met au fond avec Ronaldinho, qui fait le break. 4 buts à 2 pour l'Union Saint-Gilloise. Un doelpunt nummer 30. Ah, magnifique, hein. Quel 30e but, hein. Quel 30e but sur ce reverse elastico de Ronaldinho, qui scelle à mon avis la rencontre et la victoire. De l'Union. Nu zal het wel over en out zijn, denk ik, voor Thijs Brouwers. Die zich goed staan hield voor ongeveer 55 minuten. Nu ja, we hebben al zottere dingen gezien in de Ipro League. Denk maar aan die comeback van Anderlecht tegen Eupen vorige week. In minuut 88 en minuut 90. Die kan u ook terugbekijken op onze kanalen van Twitter. Of in de integrale uitzending op YouTube natuurlijk. Terwijl we gaan kijken naar de 5-2, of de 2-5 liever van Keenan. Heerlijk afgewerkt. En toch even wat kracht bijzetten dat hij wel degelijk, als hij er zin in heeft, een outsider is voor die titel. En voor ja, die play-offs in de Proximus Pro League. Je l'avais dit, hein, que il y aurait beaucoup de buts. Hein, une fois que la machine Keenan serait mise en route. C'est un joueur qui fonctionne évidemment à la confiance. Une fois qu'il est lancé, il est inarrêtable. Il est capable de faire des choses incroyables dans la surface de réparation une fois qu'il y entre et qu'il est déterminé à marquer ce but. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Als een kat met een muis wat in leven houden en dan genadeloos afstraffen als hij het heeft gehad. Ah, c'est bien tenté. C'est bien tenté de la part de Tess Brouwers, mais malheureusement c'est un petit peu trop timide à moins qu'il puisse faire quelque chose. 31 buts déjà marqués lors de cette 7e journée de championnat. Et on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'après cette rencontre, il en reste encore 2. Attention. Ouh. Ah, il y a un coup franc. Il est revenu à l'arbre. Geen penalty. Ouais, je pensais qu'il y avait eu peut-être un. Qui s'était mieux placé. Dundonker, la frappe de Dundonker de loin. C'est ça, on n'en voit pas assez des frappes de loin, ça serait bien une fois de mort. Nee, dat zien we misschien net iets te weinig. Het is nog niet gedaan. Thijs, die heeft er nog zin in. Moses Simon, de Ketelaar, oh, magnifique là. C'était bien essayé sur cette fin de frappe à Johan Cruyff. Hein. Charles de Ketelaar, qui a failli mettre la défense de l'Union dans le vent. En Keenan die gaat swingend richting de tweede plek in het klassement in Poelen 2. Komen daar nog doelpunten bij? Misschien wel eentje van Thijs toch nog om de eer een beetje te redden. Maar snel balverlies en Keenan opnieuw met het initiatief. Ronaldinho wil door Capdevila. Dat gaat natuurlijk niet. Ronaldo. De ketelaren.
Kleine reverse Elastico daar en dan loopt hij ermee buiten. Wel heel wat frustratie blijkbaar bij Thijs. On sent qu'il est impuissant face à Keenan. Il ne peut rien faire. Lui-même dans son jeu, je pense qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Il tente des choses sans pour autant savoir quel en sera le résultat. Parce qu'il a fait une virgule inversée avec deux Ketela. Mais le ballon a fini en touche pour l'Union. We zijn bijna aan het einde van deze wedstrijd. Geen buitenspel. En dan toch nog de 3-5. Doelpunt nummer 8 in deze wedstrijd. Zoveel hebben we vandaag nog niet gezien in één partij. Il y a beaucoup de buts dans cette rencontre. Je l'avais dit que ça allait être une rencontre vraiment prolifique. Et on n'est pas déçu. On n'est pas déçu de la rencontre. Même si on espérait que ce soit un petit peu plus serré pour le spectacle et pour l'adrénaline. Mais il y avait clairement un joueur qui était au-dessus de l'autre aujourd'hui. C'était Keenan. Et Thijs Brouwers, qui au moins lui marque des buts, j'ai envie de dire, comparé au dernier de la poule 1. Hij maakt inderdaad zijn doelpunten, Thijs Brouwers. Maar Keenan maakte er nog een pak meer vandaag. En dan is het aftellen tot de 90ste minuut en het afluiten. We krijgen nog een 3-6. Het is onwaarschijnlijk. 9 doelpunten in 1 wedstrijd. Doelpunt nummer 32 van de speeldag. Incroyable. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. C'est vraiment une rencontre. Je pense qu'on a eu très peu de rencontres où il y a eu autant de buts et autant de différences de niveau aussi entre les deux joueurs. Mais sinon, ça c'est la victoire. Victoire 6-3 de Keenan face à Thijs Brouwers. En général, en plus, on a l'habitude de voir Keenan dans les rencontres, dans les matchs où il y a énormément de buts. Hein. C'est pas inderdaad, altijd veel doelpunten. Hij neemt hiermee de optie op plaats 2 in poule 2. En dat is waar hij wil staan. Keenan 3-6 tegen Thijs Brouwers. Keenan kan vrij rustig wel zeggen dat hij er normaal gezien bij gaat zijn. Maar belangrijker nu, we kregen een West-Vlaams onderrondje en poule 2 Oostende tegen Kortrijk. Ça va être une rencontre assez spéciale, hein, parce que on va voir si Mans va essayer de réagir pour toujours espérer se qualifier en poule 2 pour les playoffs face à Oostende, à un joueur qui est en demi-teinte pour l'instant, Joren Cruijff. On va voir s'il sera inspiré par le grand Johan Cruijff pour cette rencontre. Ja, inderdaad. En Mans, c'est belangrijk. Die moet 9-9 pakken als hij er nog wil bij zijn. We gaan het zo meteen zien. Welkom aan Seertje voor de wedstrijd tussen Oostende en Kortrijk. En mijn slechtste West-Vlaams haalde ik even boven om aan te geven dat we Oostende tegen Kortrijk krijgen zo meteen in poule 2. Ouais, on est en fin de journée, de cette 7e journée de Hypro League entre Oostende et Kortrijk. Deux joueurs qui passent une saison vraiment très difficile, une saison vraiment très mitigée. Joren Cruijff qui est nouveau dans la compétition du côté d'Oostende, tandis que de l'autre côté, Mans Bochart, lui, c'est un ancien, un vieux de la vieille, comme on peut le dire, et qui a vraiment beaucoup de mal cette saison. Ja, inderdaad. Mansen heeft er al 2 controllers doorgejaagd, als ik me niet vergis. Het zit hem inderdaad niet echt mee. Mansen Bogaerts van Kortrijk, toch een routinier in onze competitie. Ja, en die man aan de andere kant, die met de afkorting JC14 speelt. Dus, ja, zeg het maar eens. Johan Cruijff 14. Voilà, Johan Cruijff 14. Dat is veel druk op zijn schouders. Hij heeft dat nog niet al te veel laten zien, maar... Hè, zo'n rookie season, dan laten we wel wat door de vingers glippen natuurlijk. En dat kan allemaal wel in een rookie season. Altijd kijken naar volgend seizoen. Het is ook het 3e jaar op rij dat Oostende iemand nieuw heeft. Dat is niet al te leuk natuurlijk om iets op te bouwen op lange termijn. Hij heeft wel iets opgebouwd op lange termijn. Mansen Bogaerts. Maar ja, dit seizoen zal het misschien eens net niet zijn. De laatste 2 seizoenen was het altijd net wel. Dit seizoen minder wedstrijden, minder kansen, minder... Ja, of deze die je mag hebben. On l'a connu dans de meilleure forme, en tout cas, Mans Bogaerts. On a connu ce joueur être souvent et se battre souvent dans les premières places. Et ça fait bizarre de le voir justement dans ce positionnement-là. On va voir s'il va réussir à battre le rookie d'Oostende. S'il peut toujours se maintenir dans la course aux qualifications, aux play-offs, pour rendre cette fin de saison régulière un petit peu plus pimentée, j'ai envie de dire. Rajouter un petit peu de sauce dans tout ça et d'ingrédients à tout cela pour faire la différence. Zout en peper. Voilà. Nu ja, het kan snel gaan als hij vandaag wint.
komt hij op een gedeelde vierde plaats met Leuven. Dat vandaag ook niet moest spelen. Dus dan hebben ze ook evenveel wedstrijden. En dan staat hier weer vrij goed voor Oostende. 4 punten. Voor hem is het nog niet gedaan. Dat is wel belangrijk. Ook hij kan er nog bij zijn. Et c'est parti pour cette rencontre. Pelé du côté de Courtrai. Alexis Almakers. Alexis. Avec Thomas Meunier. Yaya Touré. Misschien een goede aanval van Kortrijk. Ouais, hein. Charles de Ketelaar, les passements de jambes. Qui trouve Pelé, la frappe de Pelé, le but. L'ouverture du score de Mans Bochart. Qui fait la différence dans sa première occasion. 1-0 pour Courtrai. Hoe vaak is het nu vandaag al gebeurd dat we in die eerste 5 à 10 minuten een doelpunt krijgen? Mans begint heel sterk aan de partij met deze Braziliaan aan het kanon. En daar was weinig tegen te doen. Joren Cruijff qui n'en croit pas ses yeux. 5 minuten de jeu virtuel, 5 minuten de jeu FIFA. Et déjà 0-1 pour Courtrai. Cette rencontre qui va être longue et peut-être difficile, à moins qu'il réagisse très vite. En laat ons hopen op veel doelpunten opnieuw, uiteraard. Daar hoop ik althans toch op. En de kijker, kan ik me inbeelden ook. Ah, c'est bien joué la percée de Kevin De Bruyne. Et c'est dommage. Je pense qu'il aurait peut-être dû donner le ballon inderdaad. Un petit peu plus tôt. Ouais. Ronaldo aan de andere kant. Goeie bal op Cap de Villa. Player locken. Dat is goed gespeeld. Magnifique. Oh lo 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 lo. Il mériterait de passer dans les highlights ce but. Parce qu'il y a tout. Il y a la passe en profondeur géniale pour Cap de Villa. Ensuite suivi du player lock. Mais que dire de la reprise de balle de Ronaldinho. Ja, ik geef het even door aan Tom Savoldi. Dit doelpunt moet volgens Arsène in de highlights komen. Tom, achter de schermen. Dat is niet te vergeten. Hij doet hier goed werk achter de schermen. Het moet bij de highlights zitten. Hey, want, Tom, 1-2, 1-2. J'espère que tu nous reçois, Tom. On aimerait voir ce but dans les highlights. Et ainsi, pourquoi pas promouvoir la belle occasion, le beau but de Joren Cruijff. Et au stand face à Mans Bochart et Courtrai. Twee doelpunten. We zijn 10 minuten ver. Onwaarschijnlijk. Et on part sur un rythme de nouveau où on verra encore beaucoup de buts. Ja, en het begint een verwachtingspatroon ook te creëren. Nee. Wij willen nu iedere partij veel doelpunten zien. Zo simpel is het. Krijgen we hier al de 1-2. De Ketelaar, te weinig jongens in de 16 van Kortrijk. Atal. Goed ingehouden. Atal niet voorbij Perisic. Entrée en jeu pour Courtrai. Atal. On reste. Ik vind wel dat Mansen eigenlijk nu al wat geënerveerd eruit ziet. Ouais. Ja, il est un petit peu plus calme, à moins que. Oh, dit is bien goed gespeeld. Oh, lo. Kwartier ver, 3 doelpunten. Et quelle célébration. C'est ce qu'on aime voir et on veut voir ça beaucoup plus souvent, Mans. Te voir un petit peu plus audacieux dans les gestes techniques, audacieux dans la prise de décision, comme celle-là. Parce que tu es un bon joueur et un vétéran de notre championnat, tu es en capacité de pouvoir faire ce genre de choses-là. Et c'est beau à voir. Het is inderdaad mooi om te zien. Wat een heerlijke speeldag. Ronaldinho niet voorbij. Koulibaly. En kijk eens naar het gezicht van Mansen. Nee, nee. Nee, schudden. Nee. Dit gaat je niet lukken. Probeer het niet. Dat is goed gevoetbald. Oh, en de 2-2. Il n'y croit pas. Wat krijgen we hier? Il n'y croit pas. Quelle rencontre! À peine 20 minutes de jeu et déjà 4 buts dans cette rencontre. Mais je pense qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. On va peut-être avoir plus de 40 buts en une seule journée, ce qui est énorme. Je pense qu'on est à 36 là. 36. We zitten aan de 36 doelpunten, klopt. Het is een donker zowaar. Die doelpunten nummer 36 op het bord zet van deze speeldag. Ça c'est pour un message pour tous ceux qui aiment parier et qui auraient mis quasiment à toutes les rencontres de Pro League over 3,5. Hein. Knettergek. Knettergek dit. Ongelooflijk. Ja, Touré op zoek naar de 2-3. De Ketelaar, stel je maar eens voor. Ah. En hij loopt er zelf mee buiten. Hij is echt wel niet goed gezind, Mansen. Les réactions de Mans dans cette Proximus Pro League sont vraiment géniales.
Attention, le ballon loupé pour Charles de Kettelaar. Charles de Kettelaar qui arrive à gagner son duel. De Kettelaar dans la surface de réparation pour Kolo Courtois qui fait l'arrêt nécessaire sur cette magnifique frappe enroulée de Ronaldo. Ik moet zeggen, dit is een geweldig West-Vlaams onderrondje. 3-2 zoeken. Nee, we gaan de 2-3 zoeken. Aan de andere kant, Salemakers, lange run. Ja, iemand in de diepte sturen, het duurt veel te lang. Dommage, il l'a pas vu, c'est dommage. Il a pas joué. Il a pas osé la jouer. Nee, hij durfde niet inderdaad, denk ik. Nee. Yaya Touré. Ah, le long ballon ici, mais la passe n'est pas du tout calibrée et qui n'arrive pas à atteindre l'attaquant courtraisien. Et ça repart du côté d'Ostende, les joueurs de la côte là. Perisic, Koulibaly. Tempo even wat gaan liggen. Oh lolo! Oh, 3-2! Ongelooflijk! En deed Joren Cruijff nu een pistolero gebaar naar de camera. Het zou ze maar eens kunnen. Pistolero! 30 minuten verder zijn. Ah, c'est ça. 30 minuten. Ik stop met tellen ook. Je pense que ça sert à rien de compter parce qu'on ne connaîtra pas le nombre de buts exact qu'il y aura à la fin de cette 7e journée de Proximus Pro League, tellement il y en a. Wij gaan ons contract moeten onderhandelen dat we betaald worden per doelpunt. Dat is bien ça. Of we het erdoor gaan krijgen, weet ik niet. Maar goed, 3-2, 31 minuten gespeeld. Knetter, knettergek. Je pense également à Thierry Frans, hein, qui doit à chaque fois gérer la réalisation, revenir sur les buts, puis revenir sur la tête des joueurs. Hopen tellement dat de herhaling erin zit ook. Dat is 5 keer niet de gebeurd. De in en out à chaque fois. On pense à toi, Thierry. Salemakers op zoek naar de 3-3. Alsof we al 90 minuten aan het spelen zijn. Maar Mansen, ja, die moet wel winnen vandaag. Et attention, peut-être une nouvelle attaque du côté d'Ostende, là. De Kettelaar. Ah, Youssef Attal qui défend bien. Ook opvallend, maar 37% balbezit van Ostende. Maar wel 3 doelpunten. Lorsque tu vois la POV de Mans, il a l'air vraiment abattu, comme ja, si... Zeer geënerveerd. Ouais. Il se contient. Attention au volcan. Hein. Ah, dit moet altijd de 3-3 zijn. Quelle rencontre, mais quelle rencontre. We zitten op een gemiddelde van iets meer dan 6 minuten per doelpunt. C'est incroyable. Je sais pas à quel rythme on va, mais c'est vraiment un rythme élevé et incroyable. Het voelt een beetje aan als op Ultimate Team die 500 doelpunten met een zeldzaam team maken. Op amateur, op squad battles en er gewoon elke minuut eentje inschieten. Dat is ongeveer wat we krijgen, maar het is op een hoger niveau, een veel hoger niveau. De Bruyne, Touré, 3-4 gaan zoeken, waarom niet? Voor de rust 7 doelpunten, graag. Attention. Hij neemt zijn tijd. Là, il prend son temps. Il veut avoir peut-être la dernière occasion pour lui. Het laatste woord wil hij hebben, inderdaad, voor de rust. Capdevila. Capdevila, Dendoncker. Dendoncker, Capdevila. Est-ce qu'on va s'arrêter là pour cette première période? We hebben al 6 minuten geen doelpunt gehad. Ouais, nu beginnen wij ook wat geënerveerd te worden. On va commencer à s'inquiéter là un petit peu. Hein. De Kettelaar, hein. L'appel de Kevin De Bruyne, magnifique. Kevin De Bruyne dans la surface de réparation. Heeft hem nog, het is nog niet gedaan. Oh, c'est pas fini. Opletten. De Kettelaar. Oh, de Kettelaar. Oh, geweldig. Oh. En dan trapt hij hem ernaast. Oh, c'est dommage, c'était bien essayé. Ça, c'est un nouveau Mans que je vois là, qui utilise les gestes techniques. Ja. Il n'avait pas l'habitude de le faire. Et là, quand il le fait de manière vraiment très juste. Ja, en ik ga het anders verwoorden, want ik weet dat Matthias er ook altijd mee lacht. Skills to pay the bills. Ah, oui. Wel, ik ga het anders verwoorden. I got chills from them skills. I got chills from the skills. And the skills pay the bills. Et pour l'instant, franchement, on est bien servi. Ja, vandaag moet ik wel zeggen dat mijn elektriciteitsrekening betaald is. Dat is zeker. La facture de gaz est douce. Ja, inderdaad. Ja, en stok nog maar wat bij, zou ik zeggen. Steek er nog maar wat doelpunten tegenaan. We zijn wel wat rustiger geworden, dat is jammer. Iets minder risico. Atal. Tic-tac. De Bruyne. Touré. De Bruyne. Heel kalm nu. Ja, neemt zijn tijd. Dat was een goede opening.
Attention. En dan verliest hij de bal. En Joren die gaat zijn tijd niet nemen. Lekker counteren. Ja hoor, waarom niet? Welke bal dat hij aanraakt gaat erin. Dus. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Mais on sent que Johan Cruyff, lorsqu'il attaque, lui, c'est beaucoup plus tranchant. Attention. Là, Mans essaye de conserver le ballon, avoir la maîtrise du jeu. Et donc, il force Johan Cruyff à jouer en contre-attaque. Et ça le réussit bien pour l'instant. Pelé, goede infiltratie. Dan moest hij eigenlijk naar de buitenkant. C'est dommage. Dan moest hij naar de buitenkant. Attention, beaucoup d'imprécision là. Salmakers qui récupère le ballon. Qui la joue sur Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne avec Charles de Ketelaar qui tente une frappe un petit peu anodine. Et belle défense de Koulibaly. Cap de Villa. Ja, bal voor opnieuw voor Oostende, de Ketelaar. Dan kan het snel gaan, Ronaldinho. Dat doet hij goed, telkens terugkaatsen als hij geen ruimte heeft. En dit is bijna een geweldig doelpunt. Ja, en Mansen ja, reageert alsof hij zijn tegenstander niets in de weg kan leggen. Alsof het allemaal gewoon wat tegen zit. Oef, dit is niet goed. Het kan niet de bedoeling geweest zijn. Oh la la, la talonnade magnifique. Là, Ronaldinho qui rentre dans. Non, il aurait peut-être dû avancer. C'est dommage. De la part de JC 14, comme on l'appelle. De tweede helft is momenteel nog niet geweldig. Nee, c'est pas digne de la première mi-temps pour l'instant. Steken nu. Oh, dat vergeet hij weer. Ja, die run ziet hij vaak niet. Nee. Terwijl het vaak wel open ligt. Ça manque de prise de risque. Hein. Il se la joue beaucoup trop safe, les deux joueurs. En dan verlies je op die manier de bal. Nee, oui. Dan verlies je hem toch beter met een risicovolle paas achter de linies. Player lokken, dat is goed gezien. Dit is buitenspel, denk ik. Als hij was aangekomen. Et c'est bien défendu de Courtrai, de Ketelaar, Ronaldo. Oh, opnieuw laat hij daar de kans op de steekpaas liggen. Dit is wel goed. Nu steken. En dan moet je de lucht in. Dan moet je echt wel de lucht in. Ronaldo. Ronaldinho. Koulibaly goed verdedigd. Toujours présent à Kalidou, le Guindé, Sénégalais. Cap de Villa. Opnieuw bal. Kortrijk. De Donker. Goeie 20 minuten nog op de klok. Verliest de bal hier. De Ketelaar moet meteen naar Ronaldinho. Harde paas afleggen nog. En dit moet hij afwerken. Nee, opnieuw Courtois in de weg. Hey, Mans qui réagit avec véhémence par rapport à cette occasion que s'est créée au stand. Mais c'était une perte de balle de son joueur. La frappe de Ronaldinho. Il reprend de nouveau le ballon. Koulibaly, Kevin De Bruyne. Alexis Salmakers qui a peut-être, oui, non, il n'aura pas l'avantage. Nee, geen geluk bij dit duel. Ja, Touré Mansen moet wel nog scoren. Dat mag je niet vergeten. Opnieuw, goede loopactie. Jean Manski progresse petit à petit. Als je het goed hoort, heeft iemand in het stadion wat vuile woorden verteld. Dat werd omgeroepen, dat dulden we exact. Of inderdaad niet in het voetbal. Touré. Avec Alexis Salmakers qui tente de trouver Pelé, mais très belle défense des côtiers. Ronaldo, la belle passe en attente pour Charles de Ketelaar. Charles de Ketelaar face à Den Donker, il passe. Ah, dommage, il se ravise, c'est dommage, il était passé pourtant. Hij durfde niet. Ah là là. Maar ik kan nog niet voorspellen wie hier gaat winnen hoor, Ronaldo. Ah, dat is moeilijk. C'est brouillon, hein, c'est brouillon en deuxième période. On était parti sur de très belles bases en première mi-temps. Oh, opnieuw. Als hij wegdraait, dan kan hij hem rondsteken. Beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises. Hein. Dit is wel goed. Meteen afspelen. Ja, dat is goed. Nog eens doorspelen en nu afwerken. Oh, magnifique. Oh, c'est dommage. Le contrôle de trop. Moet gewoon trappen. Nee. Ronaldinho counter nu. Ah, had ook kunnen steken. Ja, de lucht in moet je dan. Er land er zijn in de lucht, maar die lucht wordt momenteel nog wat genegeerd. Oh, quel stop là. Allez, c'est ballon pour Oostende, Oostende. Un beau stop de Den Donker sur Pelé. 7 minuten op de klok. Krijgen we hier nog een winnaar? Dat is de vraag. On verra comment est-ce que ça va évoluer d'ici la fin de la rencontre. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose au niveau du classement, vu que les deux joueurs restent à leur place. Donc à la
sixième et huitième place. En prenant tous les deux un point. 83e minute de jeu. On va voir si Oostende va réussir à marquer ce but sur cette occasion. Beetje lijk. Ja, dat is natuurlijk moeilijk om te spelen. Maar goed, het is nog maar twee keer voorgekomen. Hij heeft nog niet tot doelpunten geleid, want dan zou Mansen zijn controller wel eens opnieuw een stuk durven gooien. De ketelaren. Ja, dit moet hij goed uitspelen. Dat is veelbelovend. De Donker zit ertussen. Tijd voor één uitgekiende aanval nog bij Kortrijk. Hier moet hij het verschil gaan maken. Hier moet Mansen zijn ervaring het verschil gaan maken. Ja, hij doit faire jouer son expérience, Lamans. Pour tenter de clôturer cette rencontre sur une victoire. Ja, opletten. Steken. Geen buitenspel. Perisic is weg. Bal moet naar Pelé. Gaat er niet naartoe. Eén aanval nog voor Oostende. Eén aanval. Eén counter voor Oostende. Kom aan. Krijgen we nog een winnaar? Dat is goed uitgevoerd. Ronaldinho niet voorbij de Donker. En dan gaan we afsluiten met een 3-3 gelijkspel. Even de controller de lucht in bij Mansen. En daarmee komt hij op een gedeelde vijfde plaats met Zultenwaardigen. En dat straks nog wel moet spelen tegen Seguin. Dus veel dichter bij die play-offs is hij momenteel nog niet. Ah, pour l'instant, ça se complique pour Mans, hein, qui, je pense, l'a compris. Ça se complique de plus en plus pour lui, pour essayer de se qualifier dans les playoffs. Il n'a pris qu'un seul point face à Oostende. Oostende qui s'est bien débrouillé, hein, qui a malgré tout posé d'énormes problèmes à Mans Bocheart. La première mi-temps n'était pas digne, enfin, la première mi-temps était digne de leur niveau, tandis que la deuxième était complètement platonique, on n'a rien vu. Nee, en ook voor Oostende is het nog niet over en out. Dat is belangrijk. Als hij zijn laatste twee wedstrijden wint, kan hij ook nog die play-offs halen. Behoudens natuurlijk andere resultaten. Dit was de voorlaatste partij van vandaag. Ik stel voor dat we nog eens door de resultaten gaan. Standaard 2-3 tegen Club Brugge. Mechelen 3-3 tegen Genk. Sint-Truiden tegen Eupen werd 4-3. Antwerp verloor met stevige cijfers van Charleroi 1-4. Et la petite victoire d'Anderlecht sur le cercle de Bruges, la grosse victoire de l'autre club de Bruxelles, l'Union Saint-Gilloise face à Westerlo, et le match nul entre Oostende et Courtrai, 3 partout. 3 buts. Ja, en dan reste ons nog één partij. Dat wordt Seguin tegen Zultenwaardigheim, maar wij gaan eerst even chicken wings eten. Ouais, je pense qu'on va manger des bons chicken wings. Tot zo. Dernier match de cette septième journée de Proximus e-Pro League entre deux équipes du fond du tableau de la poule 2. Match entre Seguin et Zultenwaardigheim, deux équipes qui sont un petit peu malades, j'ai envie de dire, hein, du côté de Seguin, avec le nouveau joueur Optimum qu'on a connu dans les meilleures dispositions l'année passée. Et cette année, il a un petit peu plus de mal à s'adapter à FIFA 23. Et de l'autre côté, un nouveau joueur, FIFA Jordi, qui lui était le remplaçant de Renzo la saison dernière et cette saison qui fait quand même une belle allure de son championnat et qui remplace bien Renzo. Lui peut encore se qualifier en tout cas pour les playoffs, mais par contre il a déjà joué 6 matchs. Ja, hij heeft er al 6 gespeeld. Ook Optimum kan zich nog kwalificeren. Verloor 1 keer 3 punten omdat hij forfait moest geven. Daarvoor moet hij zich wenden tot de Pro League. Zij weten daar de redenen voor, wij niet. En goed, ja, het zijn twee ploegen die nu moeten winnen als ze er nog bij willen zijn. Dat is heel belangrijk. Optimum kennen we natuurlijk van zijn sterke seizoen bij Union vorig jaar. Nu dus bij Seguin. En het is de laatste wedstrijd van een speeldag waarin we momenteel 38 doelpunten al hebben gezien. Nee. Ik wil er eigenlijk nog minstens 6 bij. Dat zou het helemaal mooi maken. Dus laat ons daarop hopen dat we deze speeldag ook in stijl kunnen afsluiten. Exactement. Ça serait bien de terminer cette journée sur une pluie de buts aussi. On a vu plein de buts lors de cette journée, mis à part peut-être entre la rencontre entre Anderlecht et... j'ai oublié même la rencontre, mais c'était Anderlecht contre le Cercle de Bruges. Yeah. Je pensais d'ailleurs que c'était la rencontre qui aurait eu le plus de buts, mais il n'y en a pas eu énormément. Et là, on va essayer de terminer en beauté entre les deux joueurs ici. On sait que Jordi, voilà, c'est un joueur qui a pour habitude de marquer en premier, mais qui encaisse également. Qui dan altijd in de tweede helft inzakt, maar belangrijker, Arsène, hoe waren de chicken wings? Ah,
La classe, hein. Ah oui, la ça classe, c'était vraiment magnifique. On a mangé des chicken wings pendant la pause, mesdames et messieurs. Et franchement, on s'est régalé. J'espère que dans ce match aussi, on va pouvoir se régaler avec les deux acteurs qui vont nous proposer un bon football. Ja, want we hebben een beetje te weinig saus misschien gehad bij de chicken wings. We hopen dus dat Optimum en Jordi voor wat extra sauciness gaan zorgen. Hoe gaat de sauce situation eraan toe gaan? Dat is de vraag natuurlijk in de laatste wedstrijd van speeldag 7. Hierna dus nog maar 2 speeldagen in het reguliere seizoen. Belangrijk ook al om mee te geven, 26 april liever hebben we de kwartfinales. 10 mei live de finale in Kinepolis, zowaar. Eerste aanval voor Seguin met Capdevila. Onderschept door Atal. En een countermogelijkheid voor Zulte Waregem. Gaat hij opnieuw als eerste scoren? Dat is natuurlijk de vraag, Arsène. Hey, ja. En kan hij dat dan voor een keertje eens vasthouden? Ik denk dat dat peut-être encore être une fois le même scénario où il va vite marquer son premier but. Et est-ce qu'il va pouvoir tenir? Ça sera à vérifier là maintenant. Ja, en parce que c'est un bon joueur, hein, FIFA Jordi. Het is een goede speler en hij kan bij winst in die top 4 komen. Hey, en oui. Zo je peut toujours. Leuven eruit kegelen. Leuven dat al veel wedstrijden met zijn backup player heeft moeten spelen. En dus wat punten verloren is hier en daar. Ronaldinho buitenspel. Il peut coiffer vraiment la place de DHL. Et je pense qu'il va la viser. Il sait que ce match est vraiment très important. Surtout qu'il a déjà joué 6 matchs lui de son côté. Tandis que de l'autre côté, OHL, eux, ont joué que 6 matchs aussi. Ja, inderdaad. Maar Jordi is dus wedstrijd 7 op dit moment aan het spelen. En hier is bijna de eerste goal voor Zulte Waregem. Ik moet zeggen, we zijn 11 minuten bezig. Ik heb nog geen doelpunt gezien. Ik ben ontevreden, Arsène. Non, moi aussi, je suis pas du tout content. Je suis pas du tout content parce que on a été habitué à voir beaucoup de buts dès les premières minutes. Normalement, là, ça devait déjà être 3 ou 4-4. Ja, minstens. Minstens. Moest Haaland of Gift Orban hier spelen, dan hadden we het eigenlijk allemaal al gezien. Ronaldo, magnifique. Dit kan de 0-1 zijn. Oh, geen geluk. Ja, maakte het zichzelf misschien net iets te moeilijk nog om dat doelpuntje te maken. Ah, oui, peut-être que ça va être différent cette fois-ci. Il va d'abord encaisser parce que là il a pas réussi à marquer. Et ensuite il va pouvoir marquer de nombreux buts pour gagner peut-être ce match. Jordi, wat doe je nu? Player lock. Hier is hij opnieuw. Oh, magnifique, voilà deux qui passent. Goal, dit kan altijd. Oh, magnifique, c'est dommage. Là, il y a le ballon n'est pas sorti. Non, le ballon n'est pas sorti. Le heel to ball roll était le geste technique à faire hein, devant le gardien pour essayer de dribbler le gardien. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti sur un but. Jokke toch. Salemakers, nog een aanval voor Zulte Waregem. Salemakers. Ja, en belangrijk ook. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat Oh, nu wel afmaakt. 0-1 op het bord en ik wou net zeggen, het kan maar eens gebeuren dat we Jordi volgend jaar sowieso niet meer zien voor Zulte Waregem. Hij moet nu zorgen dat hij impact maakt en dat doet hij. Ça ne pouvait qu'arriver de toute façon, au vu comment il a pris la rencontre en main, il avait le plus d'occasions, il avait les meilleures occasions, il était juste dans ses dribbles, mais il manquait juste la finition. Et là c'est arrivé, donc FIFA Jordi 1-0, Seguin 0. Hij moet het nu enkel vasthouden. Geconcentreerd blijven voor de resterende 65 minuten. Maar hier is Seguin al. Ah, goed verdedigd nu van Jordi. Hij défend bien, il attaque bien. Il est très intelligent dans ses déplacements. Comme par exemple, encore ici avec Ronaldo qui prend l'avantage sur Dendoncker. Ronaldo! Oh là là, ça aurait pu être un but incroyable sur ce rush impossible à arrêter. Rechts naar de keeper en hij zit erin, denk ik. Ja, jammer voor Jordi dat hij hier niet op 0-2 komt. En dan blijft het gevaarlijk. Dan blijft het gevaarlijk. Zeker met iemand als Optimum. Die vorig jaar uitstekend was. Het is waar dat l'année passée il était vraiment impressionnant. Cette fois-ci, enfin cette saison-ci, on le voit beaucoup moins productif, j'ai envie de dire. Dans le sens où il n'est pas assez inventif dans ses gestes techniques. Dans ces occasions créées, il est facile à lire, hein, Optimum. On l'intercepte très facilement
Et face à des joueurs comme FIFA Jordi qui sont bons mais qui ont juste manqué d'occasion et de chance lors de cette première partie du Pro League. Attention avec Ronaldo. Ronaldo, il file tout ball roll, est magnifique. Il tout ball roll qui passe. 2-0 pour Zulte Waregem. Et la célébration d'Hakimi comme un pingouin qui scelle le break pour Zulte Waregem. Geweldig hoor van Jordi. En het ziet er naar uit dat hij nu gaat doen waar hij zelden in slaagt. De voorsprong vasthouden, uitbouwen en de 3 punten binnenrijven. Jordi. Wat geef je ons nog wat mooie dingen bij die laatste wedstrijd. C'est magnifique à voir, hein. C'est magnifique à voir, hein. Weet je wat ik mooi vind? De eerste keer faalt hij bij de heel to ball roll. En hij heeft het vertrouwen om het gewoon nog een keertje te doen. C'est ça. Il est en pleine confiance, hein. Il tente, même s'il sait que la première fois ça n'est pas passé. Il se dit que cette fois-ci ça passerait. Et c'est ce qui s'est passé. En dat klopt als een bus hoor bij Zulte Waregem vandaag. Ronaldinho, we zijn er nog eens. De ketelaren. Magnifique. C'est trop facile. Doelpunt. Jantje na 36 minuten. Ja, eigenlijk moet je nu de PlayStation afzetten. Ah, là, je pense qu'il va peut-être faire un Alt F4, hein. Un petit rush kit parce que c'est beaucoup trop facile. On ne reconnaît pas du tout l'optimum de l'année passée sur ce match. En weet je wat de kracht is vandaag van Jordi? Hij blijft. Dus op het moment dat Optimum denkt, nu gaat hij inhouden, gaat hij terugdraaien, gaat hij nog even rechtdoor. Nee, en zo loopt hij gewoon simpelweg zijn tegenstander voorbij. Ronaldinho gaat het nog eens doen. Ja hoor, waarom? Ja, encore une fois, il est déchaîné, Jordi, il est déchaîné. Attention, Ronaldinho, la passe. Run, Jordi, run. Mais lui, il a vraiment préparé ce match. Hein. Hij is voorbereid. D'enterrer vivant notre ami... Optimum, qui n'a plus de repère. Komt er niet aan de pas. Optimum. Ronaldo, dat is wel goed. Ronaldo. En dan geeft hij de pas te ver achteruit. Dit kan wel 1-3 zijn. Dat is mooi gespeeld. Ah, bien joué, ça, Optimum. Mooi gespeeld van Optimum. 4 doelpunten in de eerste helft. Dat maakt 42 in totaal. C'est incroyable. C'est incroyable. 4 buts en première mi-temps, alors qu'après 10, 12 minutes, c'était 0-0. Ça va super vite. Quelle journée prolifique, en tout cas au niveau des buts. On est servi. Attal. Ronaldo qui intercepte. Attention, peut-être une remontada de la part de Serin. Qui sait? Sait-on jamais? Ronaldo. Ronaldo qui... Non, il ne frappe pas. Il a essayé la passe. C'est dommage. Je pense qu'il aurait mieux zelf had getrapt. Met Ronaldo, player lock, Ronaldinho. Ja, hij gaat gewoon rechtdoor lopen. Ronaldinho voor de 1-4. Dommage. Il a pas tenté le lob. Hij had moeten lobben, inderdaad. Maar zo gaan we na 45 minuten, waarvan 20 bijzonder interessante, rusten met een 1-3 tussenstand. En voorsprong voor Jordi. 2-3-3 FR. Hey, c'est le Jordi là, qui mène la danse, qui nous a montré... de belles phases lors de cette première mi-temps et qui mérite tout simplement de mener au score. Hein. 3-1 yeah. Pour l'instant. Le match n'est pas fini, mais... Het is nog niet gedaan, maar we moeten zeggen dat derde doelpunt smaakte zelfs beter dan die chicken wings. Ou bien, ils sont au niveau de nos chicken wings. Ja, misschien hebben we nog een omhaal of een scorpion kick nodig. Om het helemaal af te maken dat we onze duimen en vingers echt kunnen aflikken. Oh, magnifique. Ah, c'est dommage. Dat is net niet goed, die bal. Ouais. Koulibaly ertussen. De Bruyne. Ronaldinho. Yaya Touré. Yaya Touré. Kalidou Koulibaly. Hij doet het rustig aan, Optimum, op dit moment. Attention à ce que ça ne se retourne pas de nouveau contre lui, hein, Jordi. Qu'il se fasse de nouveau. Ja, goede onderschepping. En meegeven hoor. En beginnen rennen nu. Ja, waarom niet? Steken. Steken. Te laat. Even tikken dan maar. Ja, zo kan hij het toch? Wat een heerlijke partij van Jordi Capdevila. Loopt dat al er niet af? Heeft de bal wel nog? Ah, il a changé. Il a changé. C'est plus Meunier du côté droit de la défense de Serin. Mais plutôt Youssef Attal qui a fait son entrée. Et on sent déjà une Meunier staat centraal, denk ik. Ah, c'est peut-être Meunier ou de Donker. Meunier staat daar bij Ronaldo. Attal. Salemakers. De Bruyne. Moeilijke paas.
Diata. Débordement de Youssef Attal. Il trouve Ronaldinho. Ronaldinho qui avance lentement. Ronaldinho qui trouve Yaya Touré, qui écarte sur Capdevila. Capdevila qui revient sur Yaya Touré. Kevin De Bruyne, la passe pour Ronaldinho. Ronaldinho qui a essayé de trouver Ronaldo. Dat is goed gezien. En nu rennen. C'est parti, c'est parti. We zijn vertrokken. Ah, net iets te veel willen. Dommage. Oui, c'est bien Meunier. Altijd. We moeten nog altijd 30 minuten spelen. Capdevila, andere kant. En telkens tikt hier gewoon het balletje voorbij. Salmakers. C'est fatal. Avec le Milanais. Ronaldo. Enfin, attention à la récupération. Ronaldinho. Et de nouveau Kalidou Koulibaly qui se trouvait sur la trajectoire de la passe. Attends, il faut gagner le duel. Ouais, c'est bien fait de la part de Thomas Meunier. Et la pause est demandée pour Serein qui va, à mon avis, attention, la perte de balle ridicule ici. Mais Thibaut Courtois est présent pour préserver l'avantage de Zulte Waregem. Daar komt hij goed weg, hoor Jordi. Oh. Ça aurait été terrible d'encaisser sur cette action-là. Ja, inderdaad. Inderdaad, dat is niet al te best daar. En dat bedoelen we met die concentratie natuurlijk. Oui. Dat bedoelen we met die concentratie. C'est vraiment son unique souci, hein, à Jordi. La concentration jusqu'à la fin de match. Ja, ik heb ook niet het gevoel dat er een coach naast hem zit. C'est vrai. Ou bien peut-être qu'il a un coach qui lui parle dans son casque, mais alors à ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une bonne corrélation entre les deux. Sait-on jamais si la connexion est coupée. Attention, la frappe ici de loin, bien est tentée, la trivella de Kevin De Bruyne, mais bien captée par Thibaut Courtois. C'est fatal, attention à la perte de balle, le pressing qui fonctionne bien. Te veel risico te nemen hoor. Kevin De Bruyne, oh, c'était lui. Goed verdedigd. Leer lokken en rennen. Ja, duw maar door. La passe qui arrive à Capdevila. Capdevila qui trouve Ronaldinho qui n'est pas hors jeu. Ah, c'est buitenspel. Ja. De bal kwam net iets te laat. En het was buitenspel. De ketelaar aan de andere kant. We hebben nog altijd 20 minuten te gaan. Dat is een goede bal naar Ronaldinho. Dit is de 2-3. Nee. Oh, wat gebeurt er daar? Ja, Jan contre. Corner. Toch nog iemand aan die bal gekomen. De ketelaar. De ketelaar mag ver komen. Ronaldo, opletten. En weer dat foutje. En de 2-3. Ja. Ah là là, le doute commence à s'installer auprès de Jordi. Qui voit tout doucement Serein revenir. Et c'est ce qu'on reproche à Jordi, c'est de ne pas être concentré du début à la fin. Il va mener, mais il va se faire revenir. J'espère pour lui en tout cas qu'il a retenu les leçons des journées précédentes et qu'il va pouvoir tenir le score. Maar hier schiet hij toch zichzelf in de voet hoor. Ça va être dur. Ça va être dur. Il was nergens voor nodig. Il reste beaucoup de temps. Peut-être devrait-il passer à une défense à 5 hein, pour essayer de défendre. Parce que là, il perd des ballons précieux et le match n'est pas fini. Il peut même le perdre ce match-là. Ja, hier is Optimum alweer. Moet je beginnen opletten, want die gaat wel blijven komen nu. Steken. Dat is buitenspel. En de bal geraakt er ook niet. Diatta aan de andere kant. Je moet echt wel beginnen opletten nu met Optimum, want Ronaldinho is hier voor de 3-3. Oh là là, c'est pas possible. Chaque journée qui se répète et la célébration d'Optimum pour montrer qu'il est de retour. Greedy. Le greedy pour montrer qu'il est de retour et qu'il est revenu au score. How to lose. C'est incroyable. How to lose, il suffit juste de créer un tutoriel en voyant FIFA Jordi jouer, mener au score d'un, deux ou trois, voire peut-être 4-0 et tout simplement voir ce qui se passe. 3-0 stond hij voor. 3-0 stond hij voor op Optimum. Oh, Toulouse three goal lead, ja. Yeah. En hiermee geeft hij op dit moment ook zijn plek in de top 4 op. Jordi toch. C'est terrible. Ça doit être dur mentalement là du côté de Jordi. Ja, kom hier maar eens van terug. Et pourtant, il avait bien commencé parce que les actions étaient bien rondement construites et menées. Mais là, il a complètement perdu les pédales. Hein.
Hij is de pedalen kwijt, de controle over de partij ook kwijt. Het ging zo goed in die eerste helft. Ronaldo, zit er nog wat in de tank bij Jordi? Dit is wel goed, Ronaldo. Ja, mag ver komen, fout. Ah, no, nee. Pas de voet, ça joue. Dus we gaan counteren met Optimum. La contre-attaque du côté de Serin. C'est dommage. Ivan Perisic qui prend l'avantage. Player lock sur Ronaldinho. Ça, goed. Kevin De Bruyne, la passe pour Divock Origi. Oh, il y avait la passe de Ronaldo, c'est dommage. Ronaldinho qui passe, qui récupère le ballon. Ronaldo! Yeah! Wow! Quel but de Jordi pour reprendre l'avantage. Jules Douarre Game qui marque le quatrième but et qui pour l'instant, gagne le match. Fait important, ça. Hein? Het is goed dat je zegt pour l'instant, want het kan nog keren, maar dit was mooi uitgespeeld. De reverse elastico. Magnifiek. Gebruik hem, heb hem lief, geef hem eten, neem hem mee uit, schenk hem rozen, die reverse elastico. C'était maar magnifiek. Heb hem lief, want hij kan zo belangrijk zijn. Ah, franchement, après avoir mangé ces fameux chicken wings, se servir ensuite de ce match-là, mais c'est un plat incroyable. Chicken un wings dessert op een bedje incroyable. Van Reverse Elastico. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Ik denk dat ik mijn laatste avondmaal in het leven gevonden heb. Cap de Villa, het is nog niet gedaan hoor. We hebben nog 5 minuten te spelen. Noah Fadiga. Fadiga. Cap de Villa. Ouh. Oh, opletten! Il reste très peu de temps. Est-ce que Jordi va pouvoir maintenir un score? Est-ce qu'il va pouvoir gagner ce match, surtout? Est-ce qu'il a le mental pour résister aux assauts de Serin? Pour l'instant, oui. Il reste 1 minute 30 de jeu dans FIFA. Attention, Crepandiata, le centre en deuxième poteau. Weg, weg, Kegel. Ah, là, il faut dégager. Weg, weg. Attention, il faut dégager. Dan ga je de bal toch niet verliezen. Meunier, 2 minuten extra tijd. Knallen maar eens naar voren, maar dan moet het beter dan dit. Want nu zit er nog 1 aanval in voor Optimum. Nog 1 aanval voor Optimum met Cap de Villa. Cap de Villa, Ronaldinho helemaal alleen. De Bruyne gaat het afmaken. Oh, c'est pas possible! Het is niet waar! Kevin De Bruyne! Il n'y arrivera jamais. Oh jongens, wat een heerlijke afsluiter van deze speeldag. Quel match! Quel match, mesdames et messieurs, mais quel match! Comment finir une très belle journée? Il suffit de regarder Optimum et Jordi jouer. Quel match! Jongens, toch. 8 doelpunten. En un seul match. 8 doelpunten. 46 doelpunten op een volledige speeldag. Er zijn. C'est incroyable de ongelooflijk, ik ben hier niet goed van. Wat een heerlijke afsluiter. Dames en heren, beste kijkers. Dit was hem, speeldag 7. En het was misschien wel de beste speeldag. Ah, oh, franchement, c'était vraiment la meilleure journée depuis le début de ce championnat. On s'est vraiment régalé du début à la fin. Et la fin a été exceptionnelle. On pensait qu'on allait s'endormir, mais pas du tout. Les deux joueurs, les deux acteurs ont été présents et ont fait la différence à notre plus grand plaisir. Ja, we hebben de crème de la crème gezien. En het is niet van die slappe crème dat je in de supermarkt haalt. Nee, het was crème om boven je hoofd te houden. Ah, oui. Want dit was een prachtige speeldag. We gaan de resultaten nog een keertje overlopen. Standaard 2-3 tegen Club Brugge. Daar 5 doelpunten. Mechelen 6 doelpunten. Genk 3-3 werd het daar. Sint-Truiden tegen Eupen 4-3. 7 doelpunten. Antwerp-Charleroi 1-4. 5 doelpunten. Anderlecht contre le Cercle de Bruges 1-0, un seul but, la seule rencontre qui n'a pas été autant prolifique que les autres. Westerlo, Union Saint-Gilloise 3-6, 6 buts marqués par Kinan, 9 buts en tout dans la rencontre. Ostende contre Courtrai 3-3, 6 buts et quelle beauté en fin de journée. Serein contre Zulte Waregem 4-4, 8 buts marqués en tout. Franchement, une journée prolifique et incroyable. De quoi passer de beaux moments en Pro League. Ja, het was knettergek vandaag. En dat gaan we ook zo meteen zien in het klassement. We hebben nog 2 speeldagen te gaan. Groep 1, Genk 14 punten. Club Brugge 13 punten. Gent 12, Mechelen
11. Daarnet achter Anderlecht op doelpuntensaldo. 6 wedstrijden gespeeld, 11 punten. Standaard zijn 9 punten, 6 wedstrijden te gaan. Gespeeld liever 2 te gaan dus. Sint-Truiden 6 punten uit 6 wedstrijden. Eupen en Cerkelen, zij speelden allebei al 7 wedstrijden. En zij liggen er ook allebei uit. Groep 2. Et au groupe 2, en tête du championnat, on a le Sporting Charleroi. Après 7 journées qui fait 14 points. L'Union Saint-Gilloise, 13 points en deuxième position. Suivi de très près par l'Antwerp de Zimet avec 11 points. Et OHL qui était bail dans les places de playoff qui a 10 points. Zulte Waregem qui revient petit à petit à 9 points. Mais il lui reste plus qu'un seul match. Malheureusement, ça va être très difficile, je pense. Mm-hmm. Courtrai, 8 points. Serein, 6 points. Et Oostende et Westerlo ferment la marche avec respectivement 5 points et 0 points. Voor Oostende kan het wel allemaal nog, maar... Ik bedank jullie voor het kijken naar wat mij betreft de beste speeldag die ik eigenlijk in drie jaar heb gezien. Het was een mooie dag. Heb hem lief, die Reverse Elastico, alsjeblieft. Dek hem mooi in. Geef hem een lekker warm bad. Zet hem op je Instagram. Hè. Toon aan de wereld dat je er verliefd op bent. Wat een speeldag. Ça serait bien d'ailleurs qu'on ait une sorte de résumé de tous les élasticos qu'il y a pu avoir, tellement la journée a été folle aujourd'hui. Moi de même, hein, franchement, j'ai été vraiment très content d'avoir assisté à cette magnifique journée. Il y a eu énormément de buts, beaucoup de prises d'initiative de la part des joueurs, tant au niveau des gestes techniques qu'au niveau des inventions dans les différentes actions. Et on s'est vraiment bien amusé aujourd'hui. Ja, inderdaad, we hebben ons goed geamuseerd. Voor die compilatie van Reverse Elasticos wend ik mij graag tot Mr. Dury. Ik weet dat hij meer content wil maken. Rond de E-Pro League. Dus Mr. Dury, als je niets te doen hebt, ga je gang. Wat ons betreft, wij zijn er een weekje tussenuit. Dus volgende week geen uitzending. Want zowel Matthias als ik zijn onbeschikbaar. Matthias heeft een andere job. Nee. Ik ben op vakantie naar Malaga. Voor profiteren. Maar, we moeten ervan profiteren. Arsène, ik wil jou bedanken om hierbij te zijn op deze historische E-Pro League. Moi, je te remercie aussi, parce qu'on a vraiment vécu des émotions fortes aujourd'hui. Et on s'est super bien amusé. En plus de ça, on a bien mangé. On a bien mangé. We hebben goed gegeten en graag tot speeldag 8. Salut! Ciao!